Mes amis, je vous propose qu'on commence. Cher Julia Cagé, cher Thomas Piketty, monsieur le directeur de la formation et de la recherche, cher Sergueï, madame la directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée, chère Florence, monsieur le directeur du CEVIPOF, cher Martial, chère Nona, cher Philippe Martin, cher Tommaso, mesdames et messieurs les professeurs, chercheurs et doctorants, et je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui dans cet amphithéâtre Boutmy, d'ailleurs, parenthèse, nous avons choisi Boutmy parce qu'au départ, la salle était trop petite pour tous vous accueillir. Et bien sûr, chères étudiantes, chers étudiants, je suis vraiment très heureux de prononcer ces quelques mots pour l'ouverture de ce débat qui apporte d'ores et déjà de grandes satisfactions. Tout d'abord, je me réjouis d'observer qu'un événement scientifique, le séminaire du CE, attire un si vaste public qui, encore une fois, nous a demandé de mobiliser Boutmy. De surcroît, puisque nous sommes modernes, il y a aussi un YouTube live afin de satisfaire toutes les demandes. Donc je salue aussi évidemment le public online. La deuxième satisfaction est accrue par le fait que ce séminaire est consacré à un ouvrage de sciences humaines et sociales qui remporte un très grand succès critique et public, succès qui vient contredire une idée rebattue, celle que l'âge d'or des publications d'ouvrages de sciences humaines et sociales est perdu et que nos compatriotes n'aspirent plus à essayer de comprendre leur temps autrement qu'en consultant Instagram. Eh bien non, puisque cet ouvrage fait plus de 850 pages et qu'il est l'objet d'un débat vif, public et j'allais même dire populaire. Troisième motif de satisfaction, pardonnez-moi cet inventaire à la Prévert des satisfactions, mais les temps qui courent nous en apportent peu. Troisième motif de satisfaction donc, c'est un travail collectif entre nos unités de recherche, le CEVIPOF, le département d'économie, le CEE et toute une série de chercheurs qui s'associent pour ce moment. Comme vous le savez, à Sciences Po, nous nous honorons de posséder une très longue tradition d'analyse du vote et des élections en France comme en Europe. Nos différentes unités de recherche sont spécialistes, reconnues au plan national et international. Et c'est d'ailleurs l'alliance et le partage de tous ces domaines de connaissances qui constituent, j'ai la faiblesse de le croire, comme directeur de Sciences Po, l'un des atouts majeurs de notre institution. Cher Thomas Piketty, cher Julia Cagé, je me garderai bien de prétendre que Sciences Po possède le monopole de la pluridisciplinarité en France. Un clin d'œil évidemment pour nos cousins et amis de l'EHESS qui nous prouvent le contraire depuis 75 ans. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes fiers d'être dans cette approche pluridisciplinaire. Il y a dans les questions que vous allez traiter ce jour, dans le dialogue qui va s'établir entre vous, professeurs, chercheurs de diverses disciplines, étudiants, quelque chose qui résume d'une certaine manière l'ambition constante que notre établissement porte depuis 151 ans déjà. S'appuyer sur les sciences politiques, sur ce que l'on appellerait aujourd'hui les sciences humaines et sociales, pour traiter justement du politique, analyser les sociétés contemporaines et s'efforcer de les comprendre et tenter de les transformer. Évidemment, l'argument de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité, pour parler de votre ouvrage, serait un peu éculé, usé jusqu'à la trame et vidé de tout son sens. Je préférerais aujourd'hui, au regard de la lecture incomplète, je l'avoue, de votre ouvrage, mettre plutôt l'accent sur ce que vous allez nous offrir aujourd'hui de questionnements mutuels, voire de confrontations dans les méthodes, paradigmes, les références scientifiques, afin de mettre en lumière la nécessité du croisement des savoirs pour étudier le passé et appréhender les enjeux contemporains. Nécessité plus impérieuse que jamais. Vous le savez, les sciences humaines et sociales sont en France friandes de joutes intellectuelles et de débats enflammés. Avant même la sortie de votre ouvrage, le 8 septembre dernier, il y a eu ces joutes, puisqu'au sein même d'un parti politique, il y a pu y avoir des propositions différentes. Et c'est heureux qu'un ouvrage suscite autant de discussions, autant de débats. Et au sein même de notre faculté permanente, puisqu'il y a eu aussi des réactions de membres de notre faculté permanente, présents ou anciens. Je pense notamment à Luc Rouban, à Nicolas Rousselier ou à Vincent Tibéri. Votre ouvrage est une somme impressionnante de données collectées, une somme impressionnante aussi par la grille renouvelée de lecture, notamment à travers la notion de classe géosociale comme déterminant du vote. Cette discussion, cette rencontre aujourd'hui va être passionnante. C'est pourquoi j'ai hâte de pouvoir vous entendre, d'entendre nos différents chercheurs, d'entendre Nona Meyer, qui, comme chacun le sait, est une des plus éminentes sociologues spécialistes du politique, une des plus fines connaisseuses des comportements politiques et des questions électorales, pour discuter le livre de Julia et de Thomas aujourd'hui. Pour finir, je voudrais simplement saluer Julia Cagé, comme membre de notre faculté permanente, saluer son travail, à la fois sur le plan académique, le fait qu'elle ait remporté à la fois une IRC en 2022, qu'elle ait été
élue meilleure jeune économiste de France en 2023, qu'elle soit membre du CEPR et que par ailleurs elle ait un pied dans le débat public. Les états généraux de l'information permettront évidemment de rappeler toute une série de propositions que vous portez. Et donc nous sommes fiers de vous avoir dans notre faculté permanente. Merci pour tout cela. Je ne serai pas plus long. Je remercie encore une fois le CE d'avoir initié cette discussion avec les différents chercheurs, avec les différents centres. Merci et bonne conférence. Merci Mathias, merci pour cette introduction et merci d'avoir présenté nos invités. Comme ça me permettra d'être encore plus brève. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour vous remercier d'être ici au séminaire général du CE. Remercier Julia qui, dès juillet, avait accepté gentiment de venir à un petit séminaire intime pour discuter au fond de son ouvrage. Et l'équipe du CE qui a organisé le petit séminaire, plus le séminaire grossissant, plus le séminaire devenant très gros, et maintenant ce que j'appelle un séminaire intergalactique sur YouTube Live. Merci bien sûr à Thomas, sans qui probablement nous serions restés un petit séminaire, et en tout cas aussi à l'écho fantastique que ce livre a déjà dans les médias, et je pense que nous allons avoir de très riches discussions. Juste quelques mots, parce que vous n'êtes pas tous là familiers avec le CE, donc nous avons tous les 15 jours un séminaire général où nous invitons des chercheurs du monde entier, en fait, à venir discuter leurs travaux en cours ou sur le point d'être publiés. Et nous avons aussi une tradition au CE que nous allons respecter aujourd'hui, même si nous sommes bien plus nombreux, même si nous avons le plaisir d'accueillir le CEVIPOF et le département d'économie. Mais nous allons respecter notre petite tradition qui est de donner, quand nous aurons eu la présentation, puis la discussion, de donner d'abord la parole aux jeunes chercheurs, aux jeunes académiques, doctorants et post-doctorants, avant d'ouvrir la discussion plus générale aux seniors et bien sûr à tout le monde. Donc Mathias ayant gentiment introduit tout le monde, ce que je vous propose c'est de vous rappeler les règles du jeu. Nous allons écouter Julia et Thomas nous parler de leur livre. Ils ont 20 minutes chacun, en tout cas c'est ce qu'ils se sont partagés je crois. Puis nous écouterons notre amie Nona, qui est une grande spécialiste, qui travaille depuis tellement d'années sur les élections et qui va nous donner son éclairage. Je voudrais juste rappeler aussi que Nona, en dehors de ses nombreuses publications sur les analyses électorales, a aussi été présidente de l'Association française de sciences politiques pendant 10 ans. Et que Nona est notre plus fidèle et puissant pilier du CE. Là-dessus, je vous donne donc 40 minutes et une quinzaine de minutes pour Nona, et ensuite la salle aura la parole. Merci beaucoup. Et Martial. Oups. Merci Thomas et Julia pour me laisser le soin de parler avant votre introduction. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir et remercier Florence, le Centre d'études européennes, d'avoir fait front commun pour l'organisation de ce séminaire. Il se trouve que nous aussi, au CEVIPOF, nous tenons le séminaire le mardi, en fin de matinée. Donc c'est un immense plaisir de vous accueillir. Et je me souvenais d'un séminaire, il y a déjà quelques années, que nous avions organisé avec sensiblement les mêmes acteurs, mais cette fois-ci en plus grand nombre, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage « Capital et idéologie ». On avait déjà eu un débat, je crois, assez à la fois intéressant et profond sur la manière dont les sciences sociales pouvaient appréhender le fait électoral. Je ne vais pas être plus long, puisque je n'aurai pas l'occasion d'intervenir ensuite dans la période de discussion, laissant la priorité à d'autres personnes ici présentes dans la salle. Je n'ai pas lu la totalité de votre ouvrage. En fait, on consacre beaucoup trop de temps à naviguer sur le site Internet, une histoire du conflit politique, et qui nous détourne peut-être de l'essentiel, mais on y apprend beaucoup de choses. Et donc, je voudrais juste indiquer que pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance d'aller visiter le site, il y a une mine d'informations considérable, colossale, abyssale. Mais j'aurais simplement une question pour vous, avant de vous céder la parole. Derrière l'ouvrage que je n'ai pas entièrement lu, je le répète, j'espère que la réponse ne se trouverait pas au fil des pages, il y a une question sous forme de paradoxe que vous soulevez, et à vous lire dans la presse depuis plusieurs semaines maintenant, on se dit,
votre démonstration est d'indiquer que l'on peut faire dire à des territoires des comportements électoraux, et vous insistez beaucoup sur ce qu'on a appelé dans une tradition ici à Sciences Po le poids des variables lourdes. Il y a un paradoxe qui est le suivant. Au cours des 20 dernières années, nous montrons individuellement, et je ne suis pas le seul, beaucoup d'autres dans cette salle, nous montrons que la place de ces variables lourdes, lorsqu'on cherche à expliquer individuellement des comportements politiques, a perdu de sa substance ou de sa superbe. Et vous, vous nous dites le contraire sur un temps très très long. Ça serait toujours vrai en 2022. Donc j'espère avoir des éléments de réponse pour lever ce paradoxe. Très bon séminaire à vous deux et merci encore. Bah merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, je tiens à préciser que j'avais accepté ce petit séminaire du CE, je m'étais dit c'est pas grave, je sortirai 2 heures de cours en bout de mi, mais comme ça sera un petit format, tout ira bien. Bon, après tout, vous allez me dire, l'avantage c'est que je n'ai pas bougé d'endroit, je suis toujours en bout de mi, donc au moins j'ai pas eu à me déplacer. Mais du coup, je suis vraiment ravie d'être là et merci d'être venue aussi nombreux. En plus, j'ai l'avantage de jouer à domicile. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce livre avec Thomas? On essaie d'expliquer qui vote pour qui et pourquoi en période longue, hein, puisqu'on va étudier les déterminants du vote en France de 1789 à 2022. En fait, ici, il y a différentes questions qui nous intéressent. La première, c'est de comprendre l'évolution de la dynamique et de la structure du conflit politique et de voir le poids joué, parce que Martial avait raison d'appeler les variables lourdes, mais de voir également comment la structure du conflit politique, et notamment on va parler beaucoup aujourd'hui de la bipartition, de la tripartition de la vie politique, peut influencer finalement un certain nombre de choix et peut influencer le développement de l'état social, peut aussi influencer la bonne santé de la vie démocratique et le bon fonctionnement de la délibération politique. Alors comment finalement on s'est attaqué à cette question de qui vote pour qui et pourquoi? Il y a une très longue tradition, et qui est une tradition portée depuis des décennies en fait par Sciences Po et par le CEVIPOF et par le CEE, qui est d'étudier finalement l'évolution de ces comportements politiques, qui repose sur l'essentiel sur des données de sondage et des données d'enquête, qui ont de nombreux avantages, notamment de pouvoir permettre d'étudier les votes au niveau individuel, et qui ont aussi un certain nombre de limites. La première limite de ces données d'enquête, même si de plus en plus on voit la taille des échantillons augmenter, c'est le fait qu'en général vous avez des échantillons de 1500, 2000 personnes. Vous avez là les élections 2022 telles que couvertes par le CEVIPOF, avec des échantillons beaucoup plus larges. On va monter jusqu'à 11 000 ou 12 000 personnes en panel, mais malheureusement, si ça permet d'expliquer les plus gros votes, ça rend l'analyse des petits votes, donc des candidats qui vont obtenir 5, 7, 10% des voix, beaucoup plus compliquée. Et surtout, ça va rendre plus compliqué le croisement de nombreuses variables explicatives. Ce qu'on va montrer dans notre livre, en fait, c'est l'importance d'imbriquer différentes dimensions. Par exemple, d'imbriquer la dimension territoriale à la dimension du revenu, de la richesse, de l'éducation, des catégories socio-professionnelles. La seconde limite de cette enquête, c'est malheureusement qu'on a très peu d'enquêtes électorales avant les années 70-80 de manière systématique. Les toutes premières enquêtes électorales en France ont lieu à la fin des années 1950, ce qui nous permet de comprendre l'évolution des déterminants du vote depuis la Seconde Guerre mondiale, mais pas fondamentalement avant, et notamment pas de remonter sur le long terme et aux toutes premières élections en France. Donc nous, en fait, on va tirer bénéfice d'un certain nombre d'avantages du système français pour étudier cette question de qui vote pour qui et pourquoi sur le très long terme. Le premier avantage de ce système français, c'est finalement notre richesse et notre maillage territorial. En France, nous avons aujourd'hui 36 000 communes. À titre de comparaison, on a plus de communes en France que dans l'ensemble des autres pays de l'Union européenne réunis. Et l'avantage d'avoir ces 36 000 communes, c'est qu'on a une énorme variété en fait dans les caractéristiques de ces communes. Vous avez beaucoup de petites communes, de grandes communes à l'intérieur des petites communes. Vous avez des communes pauvres, vous avez des communes riches, vous avez des communes rurales, vous avez des communes urbaines, vous avez des communes avec beaucoup de diplômés, vous avez des communes sans diplômés. On a une énorme hétérogénéité en fait des caractéristiques, ce qui va nous produire finalement une richesse de données nous permettant d'utiliser justement
ces caractéristiques locales pour avoir une meilleure compréhension des comportements de vote, même en l'absence finalement de données individuelles. Ça, c'est la première richesse finalement qu'on a en France, c'est les 36 000 communes. Et puis la deuxième richesse qu'on a en France, il faut quand même le dire, c'est les archives nationales qui ont fait un travail formidable au cours des derniers siècles de préservation des données électorales. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait concrètement avec Thomas ? C'est qu'on a numérisé les archives électorales et qu'on a numériser les données électorales au niveau des communes pour les principaux référendums depuis 1793, donc 1793, le premier référendum sur la première constitution pour la première république, on a un référendum en 1795 et on a toutes les élections législatives au niveau des communes depuis 1848. Toutes les élections présidentielles au niveau des communes depuis 1848, je vais vous montrer quelques exemples d'archives, mais fondamentalement ces données elles existaient. On avait ces bordereaux électoraux qui étaient bien conservés aux archives nationales, alors parfois avec quelques trous départementaux, mais dans ce cas-là, il y a un travail en fait, qui est fait par les archives départementales. Et pour chacune des élections, vous avez des cartons par département. À l'intérieur de chacun de ces cartons, vous avez des dossiers, le plus souvent par canton. Et à l'intérieur de chacun de ces dossiers, bah, vous avez les archives au niveau communal qui étaient préservées dans un excellent état. Et de ce point de vue-là, sans les archives nationales et le soutien qu'on a eu de tous les archivistes, on n'aurait jamais pu mener à bien l'ensemble de ce travail. Très concrètement, ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, c'est la mise à disposition en ligne par le ministère de l'Intérieur des données au niveau communal depuis 1993, donc on avait 1993-2022, il y avait un travail qui avait été fait, et notamment, encore une fois ici à Sciences Po, par le CEVIPOF, pour avoir des données au niveau départemental et au niveau cantonal, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et nous, on a complété d'une certaine manière cet ensemble de données en remontant à 1793, en essayant de collecter l'ensemble des données au niveau communal, et comme le rappelait Martial, ces données, on les a entièrement mise en ligne sur le site une histoire du conflit politique.fr où vous avez à la fois la reproduction de l'ensemble des données électorales, donc les scans des archives, et ensuite vous avez les fichiers traités en différents formats, CSV, Excel, Stata, et aussi des cartes sur lesquelles vous pouvez générer les différents résultats. Si vous voulez comprendre qui vote pour qui, vous avez besoin de ces données électorales. Vous avez aussi besoin des caractéristiques des électeurs, en l'occurrence des caractéristiques des communes. Et donc ce qu'on a fait aussi, c'est que depuis 1789, on a collecté des informations sur le revenu moyen des communes, sur la richesse moyenne des communes, sur le niveau de diplôme, les catégories socio-professionnelles à l'intérieur de chacune de ces communes, avec des données qui remontent pour certaines jusqu'à la Révolution française. Ce qu'on a de mieux en fait en qualité de données sur le très long terme, ça va être des mesures du capital immobilier moyen par commune, parce qu'il se trouve qu'en France, depuis la Révolution française, on a l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe foncière. Donc on a vraiment cette mesure très fine de la richesse sur le très long terme, qu'on va compléter par des mesures de population, taille de commune, taille d'agglomération, au cours des 250 dernières années. Alors je veux juste vous donner quelques exemples des données électorales, parce que ça nous paraît extrêmement important. On a bénéficié un peu, pour mener cette enquête, notamment par rapport aux travaux de nos grands prédécesseurs sur lesquels on va beaucoup s'appuyer, hein. Par exemple Siegfried ou Tilly, Blois, qui ont mené Siegfried le premier, vraiment des enquêtes manuellement en fait sur les comportements de vote au niveau des cantons en l'occurrence. On a bénéficié d'un certain nombre de progrès techniques, notamment la possibilité de pouvoir conserver des données de manière massive et de pouvoir les traiter de manière informatique un peu plus facilement, mais sauf que pour rentrer l'ensemble de ces données-là, vous ne pouvez pas simplement faire un scan, appuyer sur un bouton et avoir un OCR avec les résultats électoraux. Tout ça, c'est écrit manuellement. Alors là, c'est un exemple de 1849. Ensuite, je vais vous montrer un exemple un peu plus récent. Donc 1910, au moins, vous avez les chiffres qui sont passés en chiffres et qui ne sont plus passés manuellement. Mais si vous prenez simplement les bordereaux électoraux, ce que vous constatez ici, c'est que vous avez uniquement une information sur le nom des candidats. Alors le nom des candidats, ce n'est pas très pratique si vous voulez savoir qui vote pour qui, parce que ce n'est pas très informatif finalement sur les partis de ces candidats. Et il se trouve en fait qu'avant 1950 et la publication systématique des livres blancs par le ministère de l'Intérieur, les données qui sont rendues publiques sont des données qui comportent le nom des candidats,
et pas le nom des partis des candidats, à quelques exceptions comme 1919 ou 1924, où vous avez du scrutin de liste, donc là au moins vous avez le nom de la liste. Donc comment en fait, à partir de ces données électorales, vous allez retrouver les partis, les différentes étiquettes des candidats? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépouillé la presse de l'époque, on a dépouillé notamment toute la presse du 19e siècle, la presse du début du 20e siècle, qui présente les résultats électoraux candidat par candidat, et pour chacun des candidats, vous avez le nom du parti associé. Et donc on va prendre les noms de ces partis. Pour chacune des élections, on va regrouper ces partis entre 12 et 15 nuances environ par élection. Donc si vous prenez les élections au 19e siècle, vous allez avoir les socialistes, les radicaux socialistes, les républicains modérés, les monarchistes, les conservateurs, les bonapartistes. Donc on a entre 12 et 15, et 15 nuances environ par élection. Et ensuite, on va faire un deuxième travail de traitement qui va nous permettre, sur l'analyse de très long terme, d'avoir une vision avec des nuances politiques plus réduites, et notamment de travailler sur la gauche, le centre-gauche, le centre-droite et la droite. Une des choses qu'on fait quand on fait ça, on fait un certain nombre de choix, et c'est pour ça que c'était extrêmement important pour nous aussi de mettre l'ensemble des données en ligne quand on va qualifier telle ou telle nuance de centre ou de centre-droite ou de droite. Il y avait aussi des choix qui n'étaient pas évidents. Au départ, on s'était basé principalement pour classer les différents candidats selon leur parti politique sur les données du temps. On avait pris Le Temps, c'est l'équivalent du Monde aujourd'hui, on s'était dit voilà, c'est un journal qu'on a sur longue durée de manière systématique, qui rapporte tout le temps les résultats des élections. Puis en fait, on a fait ça et on a commencé à compiler les résultats pour les élections de 1876, 1877, 1881, 1885. On avait un énorme problème, en fait, c'est qu'on avait beaucoup trop de candidats républicains, alors beaucoup trop de votes pour les républicains, ce qui nous perturbait beaucoup, jusqu'au moment, en fait, du coup, où en regardant Le Temps et en le comparant à d'autres journaux, on s'est aperçu que Le Temps, en classifiant les candidats, faisait aussi la campagne, en fait, de ces candidats. C'est un journal républicain qui soutenait beaucoup les républicains, qui voulait afficher de grandes victoires pour les républicains, donc qui avait tendance à surclassifier toute une partie des candidats aux républicains, alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Du coup, pour chacune des élections, on n'a pas pu se contenter du Temps. On a dû prendre Le Temps, puis on a dû prendre l'Union, on a dû prendre le Gaulois, on a dû prendre un journal socialiste, radical socialiste, un journal conservateur, un journal monarchiste. Et finalement, en corrigeant pour l'ensemble des biais, parce qu'à l'époque, quand vous relisez la presse française, on s'aperçoit que la polarisation politique des journaux dont on parle aujourd'hui, elle était déjà fortement présente, voire plus, il y a encore 150 ans. Et ça nous a permis d'avoir un état des lieux assez fin, finalement, des différentes nuances politiques. Ces journaux-là, on les a aussi mis en ligne sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr, ainsi que la classification faite par chacun des journaux et les choix finaux qu'on a dû faire, nous, comme chercheurs, mais qu'on est bien sûr, infiniment heureux de discuter. Et donc, c'est ce que vous allez avoir sur le site. Vous aurez les données brutes à télécharger, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire des cartes, en fait. Vous allez avoir une cartographie disponible pour chacune des variables et chaque année, donc par élection, mais aussi pour le revenu, pour l'éducation, pour les catégories socio-professionnelles. Donc vous pouvez avoir cette approche cartographique, vous pouvez avoir une approche portrait. Donc là, c'est une approche par commune, et pour chacune des communes, vous pouvez rentrer le nom de la commune et vous allez avoir l'évolution de ses caractéristiques socio-économiques et de ses votes sur le très long terme. Et ensuite, on va y revenir, on va avoir cette page qu'on a appelée la page conflit pour déterminer qui a le vote populaire et qui a le vote le plus bourgeois, mais on va revenir un peu plus en détail ensuite sur ces définitions. Pour être rapide, je veux juste insister sur un certain nombre de points. La première, c'est pourquoi on peut utiliser ces données communales pour comprendre le vote. Finalement, si chacune des 36 000 communes était identique en moyenne, les variations communales ne nous apporteraient absolument rien sur les comportements de vote. Et la raison pour laquelle on peut utiliser ces données communales, c'est qu'on a énormément d'hétérogénéité quand on compare chacune des communes françaises. Et sur chacune des dimensions, en fait, on va avoir énormément de différences entre les différentes communes. Là, je vous donne un exemple vraiment tout simple. C'est l'exemple du revenu en 2022. Si vous prenez le revenu moyen annuel en 2022 en France, il est d'environ 19 200 euros. Par tête et par an. Cette moyenne, elle est seulement de 8 900 euros dans une commune comme Roubaix, qui fait partie des 10% des communes les plus modestes, hein, ce qui vous fait que rapporté à un revenu mensuel moyen, on est un peu en dessous de 800 euros par mois.
Si vous prenez une commune comme le 7e arrondissement de Paris, on est à 107 600 euros de revenus mensuels par adulte, enfin par tête, c'est-à-dire enfant compris. Donc on est autour de 10 000 euros par personne et par mois en comptant les enfants. Donc on a un rapport en gros de 800 euros à 10 000 euros. Si vous prenez la dimension du capital immobilier, donc la dimension de la richesse plutôt que la seule dimension du revenu, le capital immobilier moyen aujourd'hui en France, il est autour de 219 000 euros environ. Cette moyenne, si vous prenez une ville comme Vierzon dans le Cher, on est autour de 65 000 euros. Si vous prenez la valeur des échanges immobiliers dans le 7e arrondissement de Paris, on est au-dessus de 1,2 million d'euros. Donc là, le rapport il va être de 65 000 à 1,2 million d'euros. Et si vous regardez la carte avec les différentes couleurs, et ça, c'est extrêmement important, c'est pas Paris versus la province. Ça, je vous ai aussi mis l'exemple de Saint-Marc-Jaume-Garde, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez du jaune et du vert fluo un peu partout en France. Et vous avez beaucoup d'hétérogénéité à l'intérieur, finalement, de chacun des départements. Et c'est ces hétérogénéités-là qu'on va être capable d'exploiter pour comprendre sur le long terme les déterminants du vote. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va considérer dans ce livre ? Dans ce livre, on va regarder d'abord l'importance des différents facteurs pour expliquer le vote, avec ce concept qu'on a mis en avant et qu'on a emprunté à Bruno Latour, donc figure importante ici à Sciences Po, le concept de la classe géosociale. Qu'est-ce qu'on appelle la classe géosociale ? Ça va être ce qu'on appelle comme les facteurs socio-économiques traditionnels, donc le revenu, la richesse, l'éducation, le diplôme, la catégorie socio-professionnelle, mais également finalement la dimension géographique qui va jouer un rôle extrêmement important, qu'on va mesurer à la fois par la taille de la commune dans laquelle vous vivez et la taille de l'agglomération à laquelle votre commune est rattachée. Et ce qu'on va montrer, en fait, c'est que le fait d'être dans une petite commune à côté d'une petite ou d'une grande agglomération, ça a quand même des conséquences qui sont des conséquences extrêmement importantes. Donc on va regarder l'évolution sur le long terme. On va vous présenter des résultats aujourd'hui du poids joué par cette classe géosociale dans les déterminants du vote. Et puis on va regarder aussi comment la structure du conflit social a évolué sur le long terme en France, et notamment on va mettre en avant, et là je vous le dis, hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on a entre 12 et 15 nuances politiques pour chacune des élections, puis ensuite on essaie d'avoir une analyse de long cours avec une simplification finalement de l'approche pour comprendre les grandes tendances. Et quand vous essayez de comprendre finalement l'évolution globale du conflit politique, on peut distinguer trois grandes périodes. Une première période de tripartition qui va correspondre environ à 1848-1910, une période de bipartition à laquelle finalement on a tous été habitués pendant des décennies, avec une alternance entre la gauche et la droite qui va aller en gros de 1910 à 1992, et on vous expliquera pourquoi on date le retour de cette tripartition à 1992, et notamment avec l'importance du conflit européen et de cette question européenne dans le retour de cette tripartition. Puis la période actuelle de tripartition avec trois gros blocs, le bloc social-écologique à gauche. Alors je ne sais plus si depuis ce matin j'ai le droit de parler de NUPES ou pas, mais bon, comme on fait de l'analyse historique, parlons de la NUPES à gauche, le bloc central libéral-progressiste et le bloc national-patriote à droite. Il y a deux choses sur lesquelles je veux m'arrêter avant de donner la parole à Thomas. La première, je veux juste m'arrêter une minute sur ce graphique et ensuite Thomas vous présentera le détail des résultats, mais c'est pour vous expliquer un peu l'approche qu'on a eue dans ce livre. L'approche qu'on a eue dans ce livre, c'est d'utiliser toutes les différentes dimensions géosociales pour regarder les déterminants du vote. Donc par exemple, ici, sur ce graphique, le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire ? On va classer l'ensemble des communes en fonction de leurs revenus. Donc en fait, on peut classer toutes les communes par centile de revenus. Donc regardez le 1% des communes les plus pauvres, le 2% des communes les plus pauvres, 10%, 20%, et aller en haut de la répartition, les 10% des communes les plus riches, 5% les plus riches, les 1% des communes les plus riches. Et ça nous permet en fait d'avoir cette métrique sur le revenu, mais qu'on peut avoir de la même manière sur le capital immobilier, sur les différentes dimensions. Ça va nous permettre de comparer systématiquement le vote et les caractéristiques des électorats pour les différentes élections. Donc là, on va comparer sur ce graphique-là. Donc en fait, quand vous regardez en bas,
vous avez les communes les plus modestes. Plus vous allez vers le haut, plus vous allez avoir les communes les plus riches. Et on peut comparer différentes élections. L'autre choix qu'on fait ici, c'est un choix de présentation, mais qui est extrêmement important, c'est que là, je ne vous montre pas le score obtenu dans chacune des communes par chacun des partis. Je vous montre le score obtenu dans chacune des communes en ratio de la moyenne nationale. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de voir si on vote plus à droite ou plus à gauche que les autres communes pour étudier ces évolutions de long terme et pas de capturer des évolutions de la popularité de la droite ou de la gauche en général en France à différents moments du temps. Donc si vous êtes au-dessus de la ligne horizontale noire à 100%, ça veut dire que vous votez plus que la moyenne nationale. Si vous êtes en dessous de cette ligne horizontale noire, ça veut dire que vous votez moins que la moyenne nationale. Donc là, si on prend l'exemple du vote ensemble qui est en jaune en 2022, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tout en haut de la distribution des revenus, vous avez un vote qui est bien supérieur à sa moyenne nationale. Donc on est à 1,7 fois la moyenne nationale dans les 1% des communes les plus riches, ce qui en fait un vote qui est plus important dans les endroits les plus riches ou les plus bourgeois, puisqu'on a qualifié ce conflit de populaire versus bourgeois. De ce point de vue-là, en fait, le vote ensemble ressemble plutôt bien au vote pour les partis de droite traditionnelle. Et donc là, sur cet exemple, vous avez la droite en rouge en 1893, la droite en 1924, la droite en 1962, en 1881 ou en 1993. Ce qui est important de voir ici, c'est pas seulement de se focaliser sur le haut de la distribution, c'est de regarder l'ensemble de la relation entre le vote pour les différents partis et pour le revenu. Et ce qui caractérise le vote ensemble au cours du temps, c'est qu'en 2022, pour le vote ensemble, vous êtes en dessous de la moyenne nationale dans les 70% des communes les plus modestes, alors qu'historiquement, la droite et les partis traditionnels de droite étaient capables d'aller conquérir une partie de l'électorat dans les communes populaires et notamment dans les communes populaires rurales. Ce qui fait que si vous regardez sur l'ensemble de la distribution, vous avez la relation la plus pentue en fait, entre revenus et vote pour ensemble, ce qui nous a fait le qualifier de vote le plus bourgeois de l'histoire. On y reviendra, ce n'est pas une qualification qui est normative, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal en soi, mais c'est quelque chose qui est descriptif. Ce qui va être aussi intéressant pour comprendre cette relation, c'est justement d'essayer de comprendre pourquoi le vote ensemble a perdu les classes populaires rurales et de voir le retour de la dimension, justement, quand on parle de classe géosociale, du conflit rural-urbain, en plus du simple conflit sur les classes socio-économiques. Je vais juste vous présenter un résultat. Donc, dans le livre, si je veux le résumer en quatre grandes parties du livre. Dans la première partie du livre, on va s'interroger sur les évolutions de long terme des inégalités socio-spatiales en France, et notamment on va documenter une réduction de long terme des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine, qui s'est complètement ralentie, voire inversée à partir du début des années 1980. Ensuite, on discute de la question de la participation électorale avant d'en venir au conflit politique lui-même, avec les législatives pour commencer, ensuite avec les présidentielles et les référendums. Je veux juste vous dire un mot, plutôt deux mots sur la participation électorale et ce que nous permet l'approche de long terme. Ici, vous avez la participation aux élections en France depuis 1789, avec les élections législatives en rouge et les élections présidentielles en vert. Il y a quand même plusieurs points à souligner. Le premier point à souligner, si vous regardez la courbe en rouge pour les élections législatives, avec le fait qu'on soit tombé aujourd'hui en dessous de 50% de participation, c'est le fait qu'on n'a jamais eu une participation électorale aussi faible en France depuis 1848. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette vision de long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un phénomène récent, la baisse de la participation, c'est un phénomène qui, dans son ampleur, est unique historiquement. Sachant qu'en 1848, en France, on allait voter au niveau du chef-lieu de canton. Ce qui supposait qu'en moyenne, vous deviez marcher entre 20 et 30 kilomètres pour aller voter, et perdre entre une demi-journée et une journée de travail. Donc ce n'est pas simplement la difficulté ou le fait de rendre plus facile le fait d'aller voter qui va résoudre ce problème d'effondrement
de la participation électorale. C'est le premier point que je veux souligner. Le deuxième point que je veux souligner, c'est le suivant. Vous n'avez pas besoin de regarder l'ensemble des courbes sur le graphique. Regardez par exemple la courbe en bleu. Donc, sur la courbe en bleu, on regarde le ratio entre la participation des 5% des communes les plus riches et des 5% des communes les plus pauvres. Première chose que je veux souligner aujourd'hui, cet écart de participation entre les 5% des communes les plus riches et les 5% des communes les plus pauvres, il a atteint 1,35. Ça veut dire qu'en moyenne, les 5% des communes les plus riches votent aujourd'hui 1,35 fois plus que les 5% des communes les plus pauvres. Très concrètement, avec un taux de participation moyen aux législatives inférieure à 50%, ça veut dire que vous avez une participation dans les 5% des communes les plus riches qui, en moyenne, est inférieure à 30% et qui frémit autour de 25%. Donc vous avez trois quarts des habitants des 5% des communes les plus riches qui ne se déplacent plus pour aller voter. L'autre chose qui est importante ici, parce que pour le coup, si je vous dis les communes les plus pauvres ou les plus pauvres en général votent moins que les plus riches, vous allez me dire, bah, ça nous fait une belle jambe. Bon, alors, pour le coup, ça fait quand même longtemps qu'on a des enquêtes qui nous disaient la même chose. De facto, on a des enquêtes qui nous disent que les plus pauvres votent aujourd'hui moins que les plus riches. Par contre, ce que nous permettent les données historiques, c'est deux choses. Un, de voir que cet écart de vote entre communes les plus riches et communes les plus pauvres n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Donc vraiment de voir l'ampleur de cet écart en perspective historique, et c'est un peu comme la chute de la participation, il est complètement unique d'un point de vue historique sur le long terme en France, et la deuxième chose c'est de voir que ça n'a pas toujours été le cas. Et que notamment dans les années 60, 70, 80, que vous regardiez le ratio des 5% ou des 10% ou des 20%, ou même simplement comparer les 50% des communes les plus riches, 50% des communes les plus pauvres, dans les années 60, 70, 80, les communes les plus pauvres votaient davantage que les communes les plus riches. Donc ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est ce renversement. Pourquoi, en fait, les communes les plus pauvres ont arrêté d'aller participer relativement aux communes les plus riches, et de comprendre aussi l'ampleur, finalement, atteinte par cette inégalité face à la participation politique, qu'on va aussi expliquer comme étant l'une des conséquences de la tripartition. Merci. Alors, donc moi, je vais prendre la suite de Julia pour présenter quelques résultats sur le vote aux élections législatives puis aux élections présidentielles. Donc là, on a vu ce résultat quand même très frappant sur la participation. Et je veux dire, ce type de graphique comme ça, ça c'est quand même beaucoup de travail derrière, parce que derrière chaque point de données, il y a vraiment toutes ces données à numériser. Et quelque part, c'est un peu le plaisir d'avoir fait toute cette recherche après, de pouvoir mettre en évidence comme ça des évolutions qui n'ont rien d'évident a priori. C'est-à-dire, je ne crois pas, enfin moi je ne savais pas, on ne savait pas avant de se lancer là-dedans, qu'on allait avoir pour la période récente cette explosion de l'écart de participation entre communes riches et communes pauvres, sans rapport avec tout ce qu'on avait vu auparavant. Et comme le disait Julia, des périodes où c'est le contraire qui se produisait, ce qui veut dire que les stratégies de mobilisation politique sont aussi très importantes. Et là, si on regarde dans le détail les périodes de forte mobilisation populaire, c'est notamment lié au Parti communiste dans des banlieues pauvres, c'est lié à l'Union de la gauche, c'est lié à des stratégies politiques spécifiques et des moments politiques spécifiques. Donc ces comportements de participation, de même que les comportements politiques dont on va parler maintenant, de vote, il ne faut pas les naturaliser. Il y a quelque chose à chaque fois qui est construit par des acteurs et ça peut varier assez vite. C'est-à-dire là, on voit en 2-3 décennies, on passe de la situation s'inverse complètement et ça va continuer de bouger à l'avenir. Donc ça c'est quelque chose, je pense, d'assez important. Alors maintenant, je vais parler des principales leçons sur la structure du vote à gauche, à droite, au centre. Donc d'emblée, on va faire là des regroupements, Julia l'a dit, qui sont des simplifications de la réalité. C'est-à-dire la réalité du conflit politique dans les élections législatives en France, c'est toujours 10, 12, 15 nuances politiques significatives. Et si on veut vraiment comprendre comment les gens ressentent leur vote, vivent leur vote, s'identifient, finissent par choisir un vote, c'est à ces unités élémentaires qu'il faut revenir. Et c'est évidemment ces données au niveau des nuances politiques élémentaires qu'on a mis en ligne, dont on analyse aussi en partie dans le livre, mais sur toute la période 1848-2022, on a plus de 100 nuances politiques aux législatives. Évidemment, on fait pas dans le livre une analyse complète de ces 100 nuances. Et de façon générale, je voudrais dire très clairement que ce qu'on propose dans le livre,
c'est peut-être 5% de ce qui pourrait être fait avec ces données. C'est-à-dire qu'il y a des milliards d'autres choses qui peuvent être faites avec ces données, des personnes qui connaissent mieux que nous telle ou telle sous-période, tel ou tel mouvement politique, qui vont l'étudier plus en détail avec la presse, avec les réseaux de militants, avec plein d'autres matériaux qu'on était totalement incapable de rassembler avec Julia. Donc les résultats que je vais vous présenter là, où on rassemble ces nuances politiques, ces 10 ou 15 nuances politiques en un bloc de gauche, un bloc de centre, un bloc de droite, par définition, c'est une simplification d'une réalité beaucoup plus complexe. Et en même temps, cette simplification, elle est utile, pas simplement pour chercheurs qui font des comparaisons historiques, mais aussi pour les acteurs politiques eux-mêmes, parce qu'à un moment, il faut se regrouper pour voter un budget, voter des lois, et on doit essayer d'obtenir des majorités comme on peut, avec des nuances politiques parfois très différentes. Et donc, voilà, ça a aussi un sens de regarder à ces regroupements. Si on fait ces regroupements entre trois grands blocs, gauche, centre et droite, on a ce que disait Julia tout à l'heure, qui est en gros, bon, les dernières élections, la tripartition qu'on connaît bien, avec trois grands blocs qui ont grosso modo un tiers des voix aux élections législatives de 2017-2022. On a, à la fin du XIXe siècle, en particulier dans les années 1890-1890, quelque chose qui s'apparente à une tripartition avec un bloc au centre constitué de républicains modérés et opportunistes, à gauche des différentes espèces de socialistes, radicaux-socialistes, à droite différents groupes conservateurs, catholiques, libéraux, monarchistes. Et puis le ralliement des groupes de droite à la République et l'alliance avec ce qui était avant les républicains opportunistes, va constituer un bloc de droite, et puis à gauche, le Parti Socialiste, le communisme, va constituer un bloc de droite, à gauche, le Parti Socialiste, le Parti Communiste vont constituer un bloc de gauche. Alors, on dit, c'est la bipartition entre 1900-1910 et 2000, bon, en fait, c'est toujours beaucoup plus compliqué, hein. Dans l'entre-deux-guerres, le Parti Radical, ici au centre, doit être plutôt classé au centre, et comme on sait, gouverne une fois à gauche, une fois à droite. En même temps, la différence par rapport aux périodes de tripartition qu'on avait dans les années 1890 ou aujourd'hui, c'est que le Parti Radical est trop faible pour pouvoir vraiment faire l'ossature de la majorité, ce qui fragilise aussi beaucoup le système. Et donc on voit le pourcentage des voix est plutôt entre 10 et 20% et non pas 30, 35, 40%. Ce qui est quand même très difficile de gouverner avec 10 ou 20%. Bah déjà avec 30, 35, c'est pas facile. Donc on n'est pas vraiment dans la tripartition qu'on ne retrouve vraiment qu'à la fin de la période. Si on essaye de dégager des résultats généraux sur la structure des votes sur très longue période, qu'est-ce qu'on a comme résultat vraiment très général? Et ensuite, on zoomera sur des résultats pour des périodes plus spécifiques, en particulier pour la période récente. Le résultat, sans doute le plus général, c'est que le monde rural vote plus à droite que le monde urbain. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça pour ça, on s'en doutait un petit peu. C'est pas faux, mais des fois, c'est aussi bien de confirmer des choses qu'on savait déjà, et surtout de regarder comment ça évolue dans le temps. Donc là, on a une première classification qui est le vote des villages, qui sont les habitants des agglomérations en dessous de 2000 habitants, bourgs entre 2000 et 100 000, et au-delà de 100 000, on a les communes principales, typiquement les centres-villes, qui sont les métropoles, et les communes secondaires, qui sont les banlieues. Vous voyez quoi? Vous voyez que la courbe verte, elle est toujours au-dessus de 100%, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans les villages, les partis de droite, quelles que soient les transformations de leurs intitulés, ont toujours tendance à faire un score un peu plus élevé que leur moyenne nationale. Donc effectivement, le monde rural vote toujours un peu plus à droite. Sauf que c'est pas toujours la même ampleur. C'est-à-dire que pendant une longue période, en gros pendant l'essentiel du XXe siècle, l'écart est finalement assez réduit. Alors, une façon peut-être de faire des comparaisons dans le temps, parce que là, vous allez me dire, la part de la population dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles change tout le temps. Donc, on va faire la même chose, mais en prenant des fractions constantes de la population. Donc, on va prendre, par exemple, la courbe en vert. Prenons la courbe en vert. On compare les 50% des agglomérations les plus petites, les 50% des agglomérations les plus grandes. Autrement dit, on range toujours la population française en deux moitiés. La moitié qui vit dans les agglomérations les plus grandes et la moitié qui vit dans les agglomérations les plus petites. Et on compare le ratio entre le vote à droite dans la moitié la plus rurale et le vote à droite dans la moitié la plus urbaine. Là encore, on voit un ratio qui est toujours supérieur à 1, donc la partie la plus rurale vote toujours un peu plus à droite, mais on voit que pendant une grande partie du XXe siècle, le ratio est finalement assez proche de 1. Alors qu'il remonte, bon là on est à presque 1,5 en 2022, et vous prenez la courbe en bleu ou la courbe en jaune, vous êtes à presque 2, c'est-à-dire que les communes les plus urbaines, les plus rurales, votent deux fois plus pour la droite que les communes les plus urbaines. Et on retrouve des ratios, par exemple sur la courbe verte, qui sont quasiment ceux de la fin du XIXe siècle, alors que pendant les... Donc autrement dit, on a un clivage territorial rural-urbain qui a repris récemment une ampleur qu'on n'avait jamais vue depuis la fin du XIXe siècle, alors que pendant l'essentiel du XXe siècle,
l'écart était finalement plus réduit. Vous prenez typiquement les élections de 1981, François Mitterrand fait pratiquement le même score en fait dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles. Et c'est pas juste parce qu'il a une affiche avec une église derrière lui, c'est une réalité beaucoup plus profonde qu'on observe pendant l'essentiel du XXe siècle et qui, selon nous, enfin, en tout cas, c'est une des interprétations qu'on propose, accompagne le phénomène de bipolarisation. C'est-à-dire la bipolarisation gauche-droite devient possible, ou en tout cas est facilitée, quand le clivage social, le clivage lié à la richesse, l'emporte sur le clivage territorial, et en gros, quand les camps politiques, donc en particulier la gauche, parvient à convaincre les classes populaires urbaines et rurales que finalement ce qui les divise est moins important que ce qui les rassemble, ce qui est le cas typiquement en 81, et ce qui est davantage le cas tout au long du XXe siècle que ça n'était le cas au XIXe siècle ou que c'est redevenu le cas tout récemment. Et donc ça, c'est une des questions à laquelle on essaye de répondre, peut-être sans doute la question la plus importante à laquelle on essaye de répondre dans le livre. On ne prétend pas du tout avoir des réponses complètement convaincantes pour ça, mais là encore, ce fait de base, je pense, valide l'intérêt d'une approche historique de très long terme, parce que ça montre qu'on peut trouver à la fois des régularités et des changements qui n'ont rien d'évident. Parce que autant l'écart fin 19e siècle, on comprend très bien qu'entre le vote paysan et le vote ouvrier, il y a des différences d'aspiration considérables. Donc les partis socialistes ouvriers à l'époque vont porter une plateforme qui, pour un paysan qui veut accéder à la propriété terrienne, toutes les perspectives de syndicats ouvriers, de nationalisation de l'industrie, ils se sentent assez peu concernés. Donc on a une différence d'aspiration entre le monde populaire rural et urbain qui paraît massive, qui va diminuer au cours du XXe siècle. Alors, à la fois du fait de la salarisation, sans doute, du monde rural, mais aussi de stratégies politiques, des partis politiques visant à essayer de rassembler ces électorats et qui a, d'une certaine façon, marché. Le nouveau clivage qui se crée au cours des dernières décennies, d'une certaine façon, n'est pas si évident que ça, parce que ce n'est pas le retour des paysans. On a toujours un monde salarisé, mais un nouveau clivage qui va être lié à une structure de classe sociale, en tout cas, c'est comme ça qu'on va l'interpréter, qui va à nouveau diverger avec une beaucoup plus forte proportion d'ouvriers, notamment dans les bourgs et les villages, que dans les banlieues et les métropoles, au cours des dernières décennies, ce qui n'était évidemment pas le cas historiquement, où les ouvriers étaient dans les banlieues et les métropoles, mais ils ont disparu plus vite dans les banlieues et les métropoles. Le monde ouvrier est aujourd'hui plus présent dans les villages et les bourgs, et on va insister sur l'idée que la désindustrialisation des 20-30 dernières années et le sentiment d'abandon face à la concurrence internationale, commerciale, européenne, et pas seulement le sentiment d'abandon face aux services publics, face à la question écologique, la maison individuelle, la voiture individuelle, tout ça c'est aussi très important, mais également face à la désindustrialisation, à la concurrence commerciale, va créer les conditions d'une nouvelle coupure rural-urbain avec un électorat populaire urbain qui est davantage employé dans les services, qui n'est pas forcément plus riche que l'électorat ouvrier rural et puis qui a même souvent des emplois émiettés, moins bien rémunérés, mais qui n'est pas soumis à la concurrence internationale de la même façon, qui est plus lié à la construction de l'État social. Bon, je résume tout un ensemble d'arguments qu'on développe dans le livre de façon beaucoup plus détaillée, mais pour le dire vite, la complexification de la structure de classe et de différentes insertions dans le tissu territorial et productif, selon nous, peut permettre peut-être d'avoir des pistes pour essayer de rendre compte de ce nouveau clivage territorial qui a repris une ampleur comparable à celle de la fin du XIXe siècle. Mais j'insiste, tout ça, ce sont des pistes d'interprétation, et c'est des questions tellement complexes, il ne peut pas y avoir une seule réponse, on essaye d'être très prudent, mais en tout cas, pour comprendre le clivage territorial actuel, il nous semble important de remonter comme ça dans l'histoire et de replacer cette question dans une perspective très longue. Alors, d'autres résultats généraux sur la longue durée, j'ai parlé là de la division entre classe populaire, urbaine, rurale. Si on regarde le vote des élites, donc là, les élites, là, on va regarder les 1% des communes les plus riches. Donc, typiquement, le 7e arrondissement dont parlait Julia, mais il y a aussi des communes riches dans beaucoup de banlieues d'Aix-en-Provence, de Bordeaux, de Lille, enfin, un peu partout en France, vous avez des petites communes très riches, et on a des résultats très proches, que ce soit pour les beaux quartiers de la capitale ou pour ces petites communes très riches. Donc, c'est quelque chose de très stable. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Au XIXe siècle, on peut avoir un vote ouvrier de gauche important dans les communes les plus riches parce qu'on a des populations ouvrières qui sont insérées au sein de communes très riches. À partir de la fin du XIXe siècle, ça disparaît complètement. Donc, on voit la courbe rouge de 1900 jusqu'en 2022
Qu'est-ce que ça veut dire entre 40-60%? Ça veut dire que le vote de gauche est toujours entre 40 et 60% de sa moyenne nationale, donc en gros deux fois plus faible que sa moyenne nationale, dans les 1% des communes les plus riches. Donc ça, c'est une espèce de régularité. On la connaît bien dans le 16e arrondissement, le 7e arrondissement, mais c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire que on l'observe dans toutes les communes riches. En général, ces communes riches votent à droite une fois et demie, deux fois plus que leur moyenne nationale, sauf quand le bloc du centre prend leur place. Et donc on l'a vu en partie à certains moments au début du 20e siècle, à la fin du 19e siècle. On le voit surtout en 2017-2022 avec un basculement vers le bloc du centre des communes les plus riches, tout à fait manifeste. On le voit très bien dans les arrondissements 7e, 8e arrondissement à Paris, mais on le voit aussi dans des communes riches un peu partout dans le pays. Si on essaye de se focaliser maintenant, pas seulement sur les communes les plus riches ou les plus pauvres, mais de regarder toute la répartition par richesse des communes, on observe, donc là c'est le vote à gauche, bon, on monte simplement quelques années, mais comme le disait Julia, sur le site, vous pouvez regarder élection par élection, et vous pouvez comparer le Parti communiste, le Parti socialiste, les radicaux de gauche, enfin chacune des nuances, vous les avez. Donc là on simplifie, on met toute la gauche ensemble. Ce qu'on constate, c'est que le vote pour la gauche est toujours décroissant avec le revenu de la commune, au sommet de la distribution. En bas de la distribution, c'est beaucoup moins clair, c'est même assez plat, voire décroissant sur les communes les plus pauvres. C'est lié notamment aux communes rurales, mais pas seulement. C'est de façon générale, on a une courbe qui est finalement assez plate sur une bonne partie de la distribution. C'est surtout en haut que ça diminue très nettement. Ça, c'est sur la période 1910-1993. Maintenant, on va comparer ces courbes avec ce qu'on a depuis 1993. Et voici ce qu'on obtient. Et on voit que ce qui est assez frappant, c'est que, pour résumer, c'est la même chose, et en fait même encore plus pentue. C'est-à-dire que, vous voyez, 2017-2022, la pente est encore plus forte. C'est en partie parce que, évidemment, les électeurs les plus aisés qui votaient pour la gauche auparavant ont basculé sur le bloc du centre. Donc ça rend la pente encore plus pentue. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'on voit en bas, par exemple, qu'on a les communes les plus pauvres votent vraiment plus nettement à gauche que ça n'a jamais été le cas auparavant, hein, de 1910 à 1993. Donc ça, c'est assez frappant, parce qu'on voit que ça va quand même assez fortement à l'encontre d'un certain nombre de discours. On dirait, voilà, de façon générale, les classes populaires ont abandonné la gauche. Bon, peut-être, mais là, c'est quand même pas très, très manifeste quand on regarde ces courbes par rapport à la richesse de la commune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire très attention sur la notion de classe populaire, qu'on peut capturer de différentes façons, mais qui, pendant très longtemps, en particulier les classes ouvrières, avaient plutôt des revenus qui pouvaient être supérieures notamment à celles des classes populaires paysannes, et donc qui n'étaient pas forcément les plus pauvres. Et au fil du temps, finalement, l'électorat de gauche, disons, relativement, si on regarde son score relativement à la moyenne nationale, est plutôt devenu un peu plus populaire. Bon, pour finir, c'est surtout très stable dans le temps, si on regarde cet indicateur. Maintenant, si on regarde dans le détail des professions, puisqu'on a aussi au niveau communal les pourcentages d'ouvriers, d'employés, on a les diplômes, un résultat, là je résume très rapidement des résultats qui sont analysés de façon plus détaillée dans le livre. Le vote à gauche aujourd'hui, vous avez alors surtout des employés des services, des employés du commerce, de la restauration, des salariés du nettoyage, du soin, qui vont avoir souvent des salaires. Alors il faut avoir en tête que le salaire moyen des employés est passé en dessous des ouvriers en France depuis 30 ans, hein, donc c'est pas une réalité récente, et ça c'est en équivalent plein temps. Mais si en plus vous prenez en compte les horaires très émiettés que vont avoir beaucoup de salariés, notamment des femmes, mais pas seulement, dans des métiers du nettoyage, du soin, de la restauration, du commerce, vous allez avoir des salaires qui peuvent être très en dessous de ceux des ouvriers. Et autant le vote ouvrier des bourgs et des villages a basculé notamment sur le RN, autant le vote des employés des services plus dans le monde urbain reste un vote très à gauche. La seconde composante importante du vote à gauche qu'on met en évidence, c'est ce qu'on appelle ici les sociodiplômés, qui nous semble, Julia, une expression plus adaptée que celle de gauche brahmane dont on avait parlé avec plusieurs co-auteurs dans un travail précédent. Mais bon, c'est à ça que ça sert aussi de continuer de faire des recherches, et qu'on peut évoluer dans ces positions. La gauche brahmane donnait l'idée vraiment d'une élite très éduquée, très super diplômée, alors qu'en fait, ce qu'on montre avec ces données plus fines au niveau communal, c'est qu'on parle plus des personnes les moins rémunérées
parmi les diplômés, typiquement des infirmières, des professeurs des écoles, qui vont être à Bac plus 3, Bac plus 4, donc qui vont faire partie des plus diplômés du pays dans un monde où on a 34% des plus de 25 ans qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, mais qui ont des salaires qui sont pas très élevés, qui peuvent être plus faibles que ceux d'un ouvrier qualifié ou d'un contremaître moins diplômé habitant le monde rural. Une façon de le voir, c'est par rapport au diplôme. C'est-à-dire, pour résumer, quand on classe les communes par pourcentage de diplômés, on a un vote qui est plus à droite dans les communes les plus diplômées, parce que ce sont des communes de cadres supérieurs, notamment de cadres du privé. Mais si on contrôle pour le revenu, donc si on regarde les communes qui ont beaucoup de diplômés, mais pas beaucoup de revenus, qui vont être notamment des communes avec justement des infirmières, des professeurs des écoles, là, le vote est au contraire plus fort à gauche. C'est à peu près depuis les années 90 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais finir dans les 5 minutes qui me restent. Je vais essayer de parler de deux série de résultats sur des contradictions qu'on met en évidence à l'intérieur du bloc RN et à l'intérieur du bloc de gauche, parce qu'on insiste quand même beaucoup sur la fragilité de la tripartition actuelle et les très fortes incohérences qu'il y a au sein de chaque groupe. Sur le bloc national-patriote, commençons par le cas du FNRN. Le résultat le plus frappant, c'est la très rapide ruralisation de ce vote. Alors, c'est connu, mais la rapidité avec laquelle ça s'est produit est quand même très frappante. C'est-à-dire, le vote Tixier-Vignancourt en 65, de même que le vote Le Pen en 74 ou encore en 88, est très urbain. Il monte clairement des villages, aux bourgs, aux banlieues, aux métropoles. À partir de 2007-2012, on a la tendance exactement inverse, c'est-à-dire que le vote est très très fort dans les villages, moins fort dans les bourgs, moins fort dans les banlieues, les métropoles. C'est très rare d'avoir un vote qui se transforme à ce point aussi rapidement. C'est quelque chose de très frappant. Si on regarde par rapport à la présence des étrangers dans la commune, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a qui est croissante en 86-93. Plus vous avez d'étrangers dans la commune, plus vous votez pour le FN. À la fin de la période, la relation est nulle ou négative. C'est en partie du fait de la ruralisation, mais pas seulement, parce que là, les courbes obtenues ici, c'est même après le contrôle pour la taille d'agglomération, pour la taille de commune et toutes les autres variables explicatives. Donc, on est passé vraiment d'un vote de conflit, plutôt à un vote de séparation, ce qui ne veut pas dire que la question identitaire ethnocentrique n'est plus importante, mais elle est importante d'une façon qui est complètement différente qu'elle était auparavant. Si on regarde le profil par rapport aux revenus, c'est aussi très frappant de voir les transformations. C'est-à-dire, le vote Tixier-Vignancourt en 65 ou le vote Le Pen en 74 était un vote plutôt bourgeois, et puis on est arrivé à un vote qui diminue avec le revenu au cours des périodes récentes. Maintenant, on a aussi un vote qui croît avec la proportion de propriétaires, c'est-à-dire que c'est lié à un vote rural, où c'est plus facile d'accéder à la propriété dans le monde rural, plus difficile des fois d'aller à l'université, d'avoir une promotion sociale par le diplôme, mais plus facile d'accéder à la propriété immobilière. Donc c'est deux stratégies différentes d'ascension sociale, mais c'est vrai aussi, y compris à l'intérieur du monde rural. Donc en contrôlant pour toutes les autres caractéristiques, on a une liaison très forte entre le pourcentage de propriétaires et le vote RN. Maintenant, sur les contradictions à l'intérieur du bloc, alors on appelle ici bloc national patriote, on essaye de trouver pour chaque bloc des noms qui ne soient pas trop négatifs et où chacun puisse se reconnaître. Hein. Donc bloc libéral progressiste, je ne sais pas si ça plaît aux libéraux progressistes dans la salle, excuse-moi Philippe, je te regarde, mais ce n'est pas pour toi. Le bloc social écologique, bloc national patriote, bon, c'est un peu ça le principe du livre, c'est on ne veut pas a priori que les électorats se sentent stigmatisés par principe. Donc on met dans le bloc national patriote le Rassemblement national, Reconquête d'Éric Zemmour. On met aussi LR. Alors LR, on pourrait le mettre, il est un peu à cheval entre les deux, dans la mesure où le président actuel de LR a dit clairement qu'il voterait pour Zemmour plutôt que pour Macron en cas de second tour à la présidentielle. Ça paraît logique de les mettre plutôt ici, mais ça se discute évidemment. Ce qui est très frappant ici, c'est on voit les contradictions à l'intérieur de ce groupe, c'est-à-dire autant le vote RN est un vote populaire, autant le vote Zemmour, ou là le vote Les Républicains, est un vote extrêmement bourgeois, même plus bourgeois encore que le vote Macron, mais bon, sur un plus petit électorat, hein, sur des plus petits pourcentages de vote. Le vote le plus bourgeois de toutes nos données, c'est le vote Madelin 2002. Alors, il ne fait que 2% des voix, mais il est à 300-400% de sa moyenne dans les 1% les plus riches et à 30-40% de sa moyenne dans les communes les plus pauvres. Ce qui montre aussi l'intérêt de cette méthode, c'est que ça permet, sur des petits votes, de voir des choses que des enquêtes, par définition, ne pourront pas voir. Mais pour revenir au bloc national patriote, on voit quand même des contradictions considérables, alors qu'on voit aussi dans le bloc de gauche à travers le vote écologique, qui est un vote extrêmement urbain. Donc on voit que c'est le cas depuis le vote Dumont jusqu'au vote Jadot.
c'est peut-être encore plus frappant par rapport à la richesse, c'est-à-dire qu'on a un vote, je vous ai montré tout à l'heure que le bloc de gauche, en général, avait un vote qui diminuait toujours avec la richesse, sauf le vote écologique, qui est systématiquement croissant avec la richesse, sauf au niveau des 1% des communes les plus riches, où ça diminue, visiblement la proximité avec la gauche ne plaît pas beaucoup aux 1% des communes les plus riches. Mais pour le reste, on a une courbe croissante, c'était vrai avec Dumont, c'est vrai avec Lepage, candidate écologiste centriste, c'est vrai avec Jadot de façon très claire aussi, et ça c'est un peu une anomalie entre guillemets à l'intérieur du bloc de gauche qui pose quand même des questions. Là, le contraste est particulièrement frappant avec le vote trotskiste, qui est une originalité française, parfois, dit-on, mais bon, pour finir, qui rassemble aux élections présidentielles un score qui peut être égal ou supérieur à celui des candidats écologiques depuis 40 ans, donc ça mérite d'être regardé, qui est un vote massivement rural, qui a toujours été massivement rural, ce qui, pour nous, n'était pas évident, a priori, non plus. Et c'est vraiment très, très frappant, c'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus fort dans les villages que dans les bourgs. Ça ne ressemble pas à des néo-ruraux, dans le sens où on essaye toujours, dans nos analyses, de regarder par rapport aux mouvements de population, aux évolutions de population. Ça n'a pas d'effet supplémentaire, ça ne semble pas... Bon, après, ce n'est pas parfait comme méthode, mais en tout cas, ça ne se ressemble pas à ça. C'est très décroissant avec la richesse. Regardez, le vote trotskiste, c'est quand même assez frappant. C'est quand même intéressant, parce qu'on pourrait croire que les deux discours, écologique et trotskiste, on partage une forme de dénonciation du capitalisme extractiviste, etc. Sauf qu'à la fin, ce n'est pas du tout les mêmes électeurs qui se reconnaissent dans les deux, sans doute parce que le bloc trotskiste insiste beaucoup sur la lutte des classes, la redistribution des richesses. Les électeurs ont l'air de se reconnaître là-dedans, ce qui est moins le cas du bloc écologique. Et ce qui pose des questions, évidemment, sur la question de la réconciliation du social et de l'écologie pour la suite. Je m'arrête là, sur ce graphique, très exactement, qui montre... qui est peut-être la conclusion la plus importante de ce travail, et pour nous, avec Julia, la plus optimiste, qui est que le poids, effectivement, des déterminants socio-économiques du vote n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a simplement, d'un côté, la part... Donc, ce qui vient en premier, c'est la richesse, qui ici est mesurée par le revenu moyen, la valeur moyenne des logements, la proportion de propriétaires. C'est la courbe en violette. Ce qui vient juste après, c'est la taille d'agglomération et de communes. Si on met les deux ensemble, on a 60% des écarts de vote entre communes en 2022 présidentielle qui sont expliqués. On arrive à 70% si on rajoute le diplôme, la profession. Mais on est déjà à 60% juste avec ça. On n'a jamais eu ce niveau-là. Si on rajoute les origines telles qu'on peut les capter avec la proportion d'étrangers, la proportion d'immigrés, on va passer à 72-73%, donc on va avoir 2, 3, 4 points supplémentaires, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est très faible par rapport à la classe socio-économique. Pour finir aussi, j'en profite pour dire un mot à la question de Martial, qui disait, quid de ces décompositions de la variance au niveau des enquêtes individuelles? Les enquêtes au niveau individuel, on ne peut pas remonter sur la longue durée. Moi, il se trouve que je les ai utilisées depuis les enquêtes des années 50, dans un livre précédent, où on a essayé de rassembler avec Amaury Guettin, Clara Martinez, Toledo, toutes les enquêtes post-électorales dans 50 démocraties électorales depuis 1948, ce qui n'avait pas été fait auparavant, je crois. Et on observe en fait une montée depuis les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à aujourd'hui, de la part qu'on explique avec les variables individuelles, y compris jusqu'aux élections récentes. Alors, ça dépend évidemment des variables explicatives qu'on ajoute, mais si on ajoute bien, comme on le fait ici, le revenu, le patrimoine, la profession, le diplôme, la taille d'agglomération, on a plutôt une montée du poids des facteurs. Alors, par contre, ce qui est vrai, Martial, et c'est peut-être ça que tu avais en tête, c'est que la part qu'on explique va être beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'on ne va pas être à 60 ou 70% des écarts de vote entre communes. On va être à 20-30% au niveau individuel. Et je dirais, alors on peut dire que c'est parce que c'est des échantillons trop petits, la façon dont on mesure le revenu, la richesse est imparfaite dans les enquêtes par sondage, ce qui est en doute le cas. Mais je préfère une interprétation plus optimiste, qui est qu'il y a évidemment une part pour la subjectivité individuelle, pour la liberté individuelle dans le vote. Et là, quand on dit on a 60-70% des écarts de vote, c'est entre communes. Mais à l'intérieur des communes, il y a évidemment beaucoup de différences qui s'expliquent par toutes sortes d'expériences individuelles de politisation qui conduisent à des résultats différents. Je m'arrête là et désolé d'avoir été trop long. Merci pour cette présentation passionnante et passionnée. Et maintenant, Nona va nous faire une petite discussion avant que nous puissions tous échanger avec vous. Merci. C'est difficile de discuter ce travail colossal et passionnant en 15 minutes. Je vais essayer.
Je laisserai de côté les propositions programmatiques et les conseils à la gauche, parce que ça occupe une certaine place dans le livre, pour me centrer sur l'apport scientifique d'un point de vue de science politique au singulier. Les qualités d'abord. C'est vrai que c'est un livre unique en son genre. Il retrace l'évolution des structures sociales des électorats sur plus de 2 siècles, au niveau le plus fin, enfin au niveau très fin, des 36 000 communes. Il reconstruit les résultats de toutes les élections de 1848 à 2022, soit 41 élections législatives, 12 présidentielles et en prime 5 référendums. Il mobilise des données contextuelles d'une extraordinaire richesse, ça vaut vraiment la peine de le lire, mettant au jour les inégalités socio-économiques et surtout la première partie du livre est absolument passionnante, le reste aussi. Et il y a surtout une formidable base de données numérisées. Les données sont accessibles en ligne, ça c'est vraiment un plus, ça c'est vraiment ce qu'on doit faire dans la recherche, ça c'est remarquable. Et il y a le mérite de remettre les classes sociales et les inégalités sociales au cœur de l'analyse électorale, je serai la première à vouloir le faire, tout en ancrant les individus dans les territoires. Tout ça, c'est les compliments, c'est vraiment passionnant. Alors maintenant, quelques flèches ou quelques interrogations, quelques objections à la fois sur la méthode et sur les résultats. Et j'aurai 4 paquets de remarques. J'en aurai beaucoup d'autres, mais en 10 minutes, ça va être dur. D'abord, le niveau d'analyse. Le niveau d'analyse communale, c'est ce qui fait la force du livre. Et c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. C'est des données agrégées, pas individuelles. C'est des unités géographiques, pas des individus. Ça ne permet pas, en fait, de dire qui vote pour qui et pourquoi, sans tomber dans l'erreur écologique. On n'a pas le droit de dire que le vote Macron est le plus bourgeois de l'histoire, que le vote RN est un vote rural ou de petits moyens accédant à la propriété. On peut dire où trouve-t-on les électeurs, plus d'électeurs Macron ou RN ? C'est pas tout à fait pareil. Donc ça, on pourra revenir là-dessus. Mais il y a des glissements. Je veux dire, on peut être pauvre dans une commune riche, hein, donc et ne pas avoir le même vote que les riches dans cette commune. Avec vos données, pourquoi ne pas avoir joué alors du coup la carte de l'analyse contextuelle ? Dans la lignée des travaux d'un Klatzmann en France, de Johnston, Patty, Miller en Angleterre, tous ces travaux montrent comment le rapport de force locale entre les classes, entre possédants et non possédants, impacte le vote. C'était une des voies de sortie pour utiliser les données agrégées. Inversement, vous auriez pu éclairer plus systématiquement vos résultats, il me semble, avec les données individuelles de sondage. Vous le faites parfois, et c'est passionnant. Depuis 1945, ça valait la peine d'aller un peu plus loin, ou mieux, faire pour les années récentes de l'analyse multiniveau. C'est quand même la seule chose qui nous permet de dire voilà comment des individus votent, j'ai les données de sondage, mais en fonction de leurs différents contextes, lieux de résidence, lieux de travail, etc. Donc, c'est des pistes pour aller plus loin. Par ailleurs, est-ce que la commune est toujours le meilleur niveau d'analyse électorale ? Pour paraphraser Musset, on peut regarder le paysage de 2 manières. On peut voir l'océan et les forêts, ou on peut voir un brin d'herbe et des gouttes d'eau. Alors, travailler au niveau infra-communal, au niveau des brins d'herbe ou des gouttes d'eau, aurait pu être intéressant à creuser en utilisant les données des iris de l'INSEE qui permettent d'aller au niveau des îlots. Et je pense à la typologie d'Edmond Pretzel sur la ségrégation urbaine à partir des iris. Ça nous apprend quelque chose de plus. Alors, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Mais travaillant sur le 19e arrondissement de Paris, où il y a 55 iris, vous voyez que d'un iris à l'autre, le taux de moyen d'immigrés passe de 12 à 48% et de personnes en dessous du seuil de pauvreté de 9 à 47. Donc, même à un tout petit niveau, vous avez une hétérogénéité énorme qu'on ne saisit pas au niveau des communes. Inversement, vous auriez pu regarder au niveau de l'océan et des forêts, au niveau supracommunal. Parce qu'on regrette un petit peu quelquefois, il faut que vous ne fassiez pas plus de géographie électorale. Pour le vote RN, ce qui est étonnant, c'est qu'au-delà du morcellement à travers les 36 000 communes, vous avez une carte du vote électoral FN, RN, qui est quasi constante, même si elle s'élargit un petit peu à travers le temps. Et vous avez des électorats FN, RN, radicalement différents au nord et au sud. Donc peut-être qu'il faudrait rajouter un peu de la bonne vieille géographie électorale avec les cartes. Deuxième paquet, les définitions et les catégorisations. Au cœur du livre, il y a la notion de classe sociale, ou plutôt géosociale. Mais ce n'est pas vraiment au sens de Bruno Latour. Pour lui, le territoire, ce n'était pas un lieu, c'était des conditions matérielles d'existence et plus précisément le rapport au sol,
à la terre, à l'air, à l'énergie, opposant les raudeurs aux extracteurs. Ce n'est pas exactement ça. Vous, vous définissez la classe sociale, je cite, un concept souple et multidimensionnel, ou combien, qui comprend à la fois la catégorie de territoire définie par la taille d'agglomération et de commune, village, bourg, banlieue, métropole, la richesse économique, revenu, capital immobilier, structure foncière, et l'insertion dans la structure productive, profession, diplôme, statut d'activité. Tout ça à la fois, ça fait beaucoup de dimensions qui ne se recoupent pas nécessairement, qui rentrent en conflit. Peut-on alors encore parler de classe, de conscience collective, de classe pour soi, avec le sentiment d'appartenance, solidarité et antagonisme? Une classe de revenus, ce n'est pas une classe. Une classe géosociale en est une. C'est pourtant la condition, cette conscience collective, la condition sine qua non de la traduction électorale d'un clivage social en clivage politique, si on suit vraiment la théorie des clivages de Lipset et Rocan. Je ne suis pas non plus convaincue par la catégorisation des communes en nombre d'habitants, village, bourg, banlieue, métropole. La catégorie bourg, est-ce qu'elle n'est pas un peu hétérogène, qui va de 2000 à 100 000? Est-ce que ça ne fait pas complètement disparaître le périurbain, pas le périurbain au sens de Christophe Guilly, les périurbains, tels qu'en parlent Eric Charme, Violaine Girard ou Jean Rivière, cette entre-deux villes-campagnes? Et pourquoi n'avoir pas pris en compte la dernière définition que l'INSEE nous propose des communes rurales urbaines basées sur la densité, qui permet en fait de mesurer un gradient de ruralité, urbanité, d'accès aux emplois et aux services, mais plus finement? Les territoires ruraux désignent là les communes peu denses ou très peu denses par opposition aux urbains denses ou modérément denses. C'est 88% des communes en France et 33% de la population en 2017. Donc, on a envie de voir si ça donnerait la même chose avec une autre définition de la ruralité. Troisième paquet, est-ce que j'ai encore le temps pour deux paquets, Madame la Présidente? Donc, le troisième paquet, c'est celui de la périodisation. Vous distinguez trois périodes en fonction de l'organisation de l'espace politique, tripartition avant 1910, bipartition jusqu'en 1992, tripartition depuis. Mais est-ce aussi simple? Est-ce que la tripartition était de même nature avant 1910 et après 1992? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette période du milieu bipartisane des tripartismes sous la 4e République à ses débuts, 1946-1947, PC, SFIO, MRP, puis la troisième force entre rejetant les partis communes, enfin les modérés qui ne sont ni communistes ni gaullistes? Et après 92, quand même, la composition interne de ces trois blocs, elle a énormément varié, puisqu'au début de la période, c'est vraiment gauche, droite, extrême droite. Et après, c'est plus tout à fait la même chose, puisque dans votre dernier ensemble national patriote, vous avez la droite et Reconquête et RN. Il y avait d'autres périodisations possibles si on s'appuie sur la théorie des réalignements électoraux, sur le modèle des travaux de Pierre Martin, repris et développé par Florent Gougou et Simon Labouret. L'idée que se succèdent des périodes de politique ordinaire et des phases de rupture qui aboutissent à un nouvel ordre électoral avec un autre agenda politique, un autre dispositif partisan, etc. Et là, vous auriez eu une autre périodisation, ça serait intéressant de la tester. On n'a pas moins depuis 1870 jusqu'à la dernière période 2017-2019 dans leurs travaux, sept phases de réalignement. Ça serait intéressant de voir, pour casser un peu cette simplification en trois blocs. Et parfois, on a le sentiment que vous l'essentialisez un peu, cette bipartition, tripartition, comme si en soi, le nombre de blocs avait des effets politiques positifs ou négatifs. Est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué? Est-ce que ce n'est pas tout simplement le clivage gauche-droite, cette structure qui n'est pas, qui est une forme, qui n'est pas un contenu, qui clarifie le choix, quel que soit le nombre de partis? Donc voilà, on peut vous titiller un peu sur ces trois blocs. Dernière partie, et là je passerai un tout petit peu plus de temps, c'est, vous vous en doutez d'ailleurs, les enjeux socio-économiques versus les enjeux identitaires. Au cœur de votre démonstration, il y a l'idée que les enjeux socio-économiques déterminent les votes, vous utilisez l'expression, et non pas les enjeux identitaires, religieux, communautaires. Je dirais, à mes yeux, il n'y a pas de déterminant socio-économique. Il n'y a que des probabilités de vote plus ou moins fortes. Deux, il n'y a jamais un effet mécanique des variables socio-économiques. Elles sont filtrées par les valeurs, les représentations, les attitudes. Je pense aux travaux de Michla et Simon. Classe sociale objective, classe sociale subjective. La classe sociale subjective a beaucoup plus d'impact sur le vote que la classe sociale objective. Enfin, les attitudes elles-mêmes ne se transforment pas mécaniquement en vote. Là, ça a été évoqué, il y a tout le travail de mobilisation et de cadrage politique fait par les partis.
Et du coup, ça me semble un peu plus compliqué. Je repars de livre L'ouvrier français en 70, Adam, Bon et Capdevielle. Les ouvriers à l'époque, ils sont racistes, xénophobes, plus que la moyenne. Mais à cause de l'influence du Parti communiste et du projet d'émancipation solidaire, il n'y a pas de repli xénophobe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu sous-estimation de ces facteurs à la fois valeur et offre politique? J'en arrive aux enjeux identitaires et notamment à l'impact électoral d'une autre variable lourde, la religion. En France, les grandes enquêtes comparatives des années 70 nous montrent que c'est la première variable lourde, bien avant la classe sociale en France, contrairement à l'Angleterre ou à la Suède. Peut-on vraiment mesurer l'influence de la religion sur le vote à partir de deux indicateurs qui sont le pourcentage de prêtres réfractaires à la Révolution et le pourcentage des élèves scolarisés dans le privé en 1894 et en 2021. Quid du taux de pratique religieuse? Vous l'évoquez, la carte du chanoine Boulard qui a été remise à jour par Jérôme Fourquet. Mais vous ne vous en servez pas. Si on regarde par exemple les résultats du vote à Maastricht, ils se superposent exactement les résultats du oui à la carte de la pratique religieuse. Donc, ce n'est pas pour opposer ces facteurs. Ils s'entrecroisent, ils s'en mêlent. Mais je pense que vous avez quand même un tout petit peu sous-estimé le niveau, le rôle de la religion. Et on le trouve aussi quand on travaille à partir de données de sondage au niveau individuel, que ce soit le vote Fillon ou le vote Bellamy, toutes choses égales par ailleurs, la religion a un impact. Et dans le rejet du vote FN, l'islam a un impact, toutes choses égales par ailleurs. J'ai quasiment fini. Enjeu identitaire dans la France multiculturelle. Vous appuyez sur le fait qu'il n'y a plus de corrélation entre le vote FNRN et le pourcentage d'étrangers immigrés ou enfants d'immigrés pour dire que l'enjeu migratoire ne compte plus, que dans ces électorats, il a été remplacé par les enjeux socio-économiques. Non, je ne crois pas. L'enjeu immigration est une construction politique et médiatique. Il n'y a pas besoin de résider à côté d'immigrés pour voter contre les immigrés, ni de les côtoyer dans les transports. De même qu'il existe un antisémitisme sans juifs, il peut exister un vote anti-immigré sans vivre à côté des immigrés. Quant aux enjeux économiques et identitaires, ils sont étroitement imbriqués. C'est extraordinairement difficile de dire « moi, je vais vous dire, c'est le socio-économique qui compte ». Ben non. En fait, immigrés égale menace sur l'emploi, les aides et l'identité culturelle de la France. Il y a une superbe thèse par Félicien Faury, Vote FN et implantation partisane dans le sud-est de la France, racisme, rapport de classe et politisation, qui montre très bien comment rapports de race et rapports de classe sont étroitement mêlés, comment le racisme ordinaire est omniprésent chez ces électeurs de petites classes moyennes blanches, comment il s'exprime à la fois en termes culturels, défense de nationalité, religion, patrimoine culturel, et socio-économique. Il dénonce la préférence étrangère en matière d'accès à l'État-providence sans aux aides et aux services publics. Donc, tout ça est très lié. Et nous, quand on fait nos analyses de régression statistiques sur le vote Marine Le Pen aux trois dernières élections présidentielles, évidemment, âge et diplôme ont un effet sur le vote FN, pas tant le patrimoine et le revenu une fois qu'on a contrôlé. Mais ce qui joue beaucoup, c'est les attitudes. Et ça joue plus que tout le reste. Et là, on arrive à des taux d'explication des votes avec des coefficients R2 de plus de 50, enfin de 0,50. Donc, je pense que les attitudes ont encore un rôle à jouer et que ce n'est pas opposé, c'est complémentaire. Bon, voilà juste quelques pistes de discussion pour un livre extraordinaire qui n'en finira pas de nourrir les controverses. Alors, je voulais dire encore des milliers de choses sur la faible place accordée aux femmes et au genre. Notamment les femmes dans nos enquêtes employées de service, elles votent FN. Donc ça, c'est un débat sur lequel on peut rentrer. Sur le traitement séparé de la participation électorale et du choix électoral. C'est dommage de ne pas avoir travaillé par rapport aux inscrits. Ça relativise sacrément le vote Le Pen. Et c'est dommage de les avoir séparés. Moi, je les mettrais ensemble. Et enfin, peut-être pour terminer, en hommage à Frédéric Bon, on se pose peut-être un petit peu la question, son papier « Qu'est-ce qu'un vote ?» Est-ce que c'était la même chose de voter au temps d'Alexis de Tocqueville, quand il allait, avec tout le village derrière lui, voter pour la première fois au suffrage universel et voter aujourd'hui avec les votes électroniques dans certains cas. Mais merci parce que ça a été passionnant. Merci. Merci infiniment, Nona.
Voilà, normalement, les séminaires finissent à 14h. Évidemment, ce que je vais vous annoncer, c'est que nous avons la salle pendant une demi-heure de plus. Donc, on va pouvoir avoir cette discussion. Mais cela va impliquer, cher Thomas et Julien, que vous avez 4 minutes pour répondre à Nona, afin que nous puissions ensuite avoir suffisamment de questions auxquelles vous pourrez répondre. D'accord ? Moi, je réponds d'abord par les remerciements pour ta lecture extrêmement attentive. Et en fait, c'est assez dur de répondre parce que la plupart des choses que tu nous dis sont avant tout des suggestions, des choses qui nous permettraient d'aller plus loin. Par exemple, c'est tout à fait vrai sur les iris. Sur le vote, nous, on a utilisé les données de vote au niveau des communes. Il faut savoir que, y compris en 1848, par exemple, pour Paris, on va avoir les votes au niveau des quartiers. Ça va être aussi le cas à Marseille. On va avoir une décomposition beaucoup plus fine à Lyon. Pour un certain nombre de villes, parfois, pas des villes gigantesques. Hein, vous pouvez avoir même à l'intérieur de Cambrai, par exemple, qui est quand même une petite commune. Vous allez avoir Cambrai Est, Ouest, Nord, Sud. Et la raison pour laquelle on l'a quand même étudié au niveau de la commune et pas à un niveau plus fin, c'est parce qu'on n'avait pas les iris. Donc on n'avait pas de variable explicative à un niveau plus fin, à l'exception de Paris, ce qui nous permet de travailler sur Paris au niveau des arrondissements et pas à l'intérieur des arrondissements. Mais c'est sûr qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire pendant longtemps. Puis à un moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on rende ce livre. On s'était dit qu'on allait travailler justement ce que tu nous suggérais en croisant à la fois pour les années récentes les données d'enquête et les données communales, notamment pour essayer de voir ce qu'on pourrait tirer de ces croisements pour essayer d'apprendre du vote individuel. À l'époque, on n'a pas de données d'enquête, ce qui aurait été une contribution davantage méthodologique qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout. Mais c'est sûr que à l'arrivée, c'est ce qu'il faudrait faire et essayer de comprendre sur le long terme l'entrecroisement finalement entre le vote au niveau individuel et le vote au niveau communal. Même si je veux quand même souligner, ça c'est extrêmement important et on le décrit dans la première partie du livre, le fait qu'à l'intérieur de chaque commune, on ait eu une homogénéisation des populations. Alors là, tu as donné l'exemple du 19e arrondissement qui est assez frappant en prenant différents iris et des grands écarts dans les taux de pauvreté. Mais ce qui est vraiment frappant, en fait, c'est le fait que vous allez avoir finalement des départements, puis des communes surtout, qui vont avoir des revenus de plus en plus semblables et des capitaux immobiliers, des richesses de plus en plus semblables. Donc on a une augmentation finalement d'inégalités entre communes et une réduction des inégalités entre guillemets à l'intérieur des communes. Ce qui explique aussi, d'une certaine manière, un peu techniquement, potentiellement l'augmentation du pouvoir explicatif du modèle, puisqu'en fait, la commune devient un facteur plus homogène tel que défini lui-même. Je ne sais pas par où je vais donner, si on a 4 minutes, la parole à Thomas. Je veux juste souligner à quel point, et on le dit en citant tes travaux, en citant aussi les travaux de Violaine Girard, en citant tout le concept de classe subjective versus classe objective, le problème des valeurs, d'une certaine manière, par rapport à notre approche, c'est qu'on ne peut pas les mesurer sur le long terme. Donc c'est un peu une limite de ce qu'on fait. Ceci dit, ce qui nous frappe vraiment, et peut-être justement quand on croisera mieux les deux niveaux d'analyse, c'est-à-dire au niveau individuel, au niveau des communes, c'est vraiment cette augmentation en fin de période du poids des variables lourdes dans la variance. Ça ne veut pas dire que la classe subjective a disparu. Encore une fois, c'est des différences explicatives de vote entre communes déjà, donc pas à l'intérieur des communes et pas entre individus, mais ce retour des variables lourdes est extrêmement important, et notamment, puisque tu as raison, hein, c'est pas parce que tu peux avoir un vote anti-immigré sans voir d'immigrés, mais il y a quand même la question médiatique qui joue un rôle, et la question des facteurs mis en avant dans le discours politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de médias au niveau national, on a quand même l'impression que la seule question est la question identitaire. Sauf ce qu'on montre, c'est que les questions socio-économiques continuent à jouer un rôle extrêmement important. Donc c'est un peu, d'une certaine manière, peut-être que dans la manière notamment médiatique dont on a vendu ce livre, on a trop mis l'accent sur la faiblesse de ces valeurs identitaires, mais on va dire que c'était pour contrebalancer avec le discours ambiant qui va plutôt à l'extrême dans le sens opposé. Peut-être pour insister sur ce point, Nona, alors
quand on dit, par exemple, sur ce graphique, voilà, on est à 70% des écarts de vote entre communes si on ajoute la profession, le diplôme à ce qu'on a déjà là, sur ce graphique, et ajouter la proportion d'immigrés, d'étrangers, ça va nous faire passer à 73-74% des écarts. On ne prétend pas du tout dans le livre que la proportion d'étrangers et d'immigrés soit la seule façon de mesurer l'éventuel ethnocentrisme ou attitude face à l'immigration. Et si on avait au niveau des communes des questions sur est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés en France, des questions sur l'immigration, c'est absolument certain qu'on expliquerait une fraction supplémentaire des écarts de vote entre communes. Après, à combien on arriverait, on ne sait pas, personne ne sait, en fait, ce qu'on n'a pas ces données au niveau des communes. Peut-être qu'on arriverait à 75 ou 80, mais on ne peut pas non plus aller très très loin, c'est-à-dire qu'on est déjà, à 70-80, et pour le coup, ce qu'on sait, c'est que le poids des variables socio-économiques a énormément augmenté. Donc je pense que c'est aussi important de se concentrer sur ce qu'on sait, plutôt que de spéculer sur des variations d'attitude face à la migration qu'on connaît avec des enquêtes, mais qui ont quand même d'énormes limites en termes de taille d'échantillon, en termes de... Puis le fait que les gens placent en premier la question des immigrés quand on leur pose la question ne veut pas forcément dire que leur vote, ensuite, est déterminé par ça. Le point peut-être le plus important dans notre raisonnement sur le facteur identitaire, c'est le fait que depuis 2007-2012, l'électorat urbain le plus anti-immigré qui votait avant pour le FNRN a été complètement absorbé d'abord par Sarkozy en grande partie, puis là par Zemmour, hein, quand on voit le vote Zemmour qui lui est très urbain, très bourgeois, d'ailleurs, ce qui montre qu'au passage on peut avoir un vote très anti-immigré et très bourgeois, que c'est pas forcément associé aux classes populaires, loin de là. Et pour finir, après cette date, disons, après 2007-2012, l'électorat qui vote FNRN, c'est pas qu'il se soucie pas de l'immigration. C'est évident que par rapport à tous ceux qui restent chez eux, hein, avec une participation qui est d'à peine moins de 50%, tous ceux qui restent chez eux, sans doute, sont moins d'intérêt sur la question migratoire que ceux qui vont se déplacer et qui vont se déplacer pour voter RN. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il reste que ces personnes-là, ce sont des personnes que Sarkozy n'a pas réussi à attraper avec la rhétorique sur la Karcher et la racaille, que Zemmour n'arrive pas à attraper avec sa rhétorique anti-islam. Ce sont des personnes pour qui la question de l'immigration compte, mais il y a des questions socio-économiques, notamment face à la mondialisation, face au libéralisme économique, qui compte au moins autant, et je pense plus, au sens où ils ne vont pas être attrapés par un discours qui paraît trop libéral pour eux, comme celui de Sarkozy ou de Zemmour. Et ça, de ce point de vue-là, peut-être le résultat le plus frappant avec la ruralisation très rapide du vote RN en 2007-2012, c'est le poids du non au référendum de Maastricht en 2005. C'est-à-dire que pour prédire le vote RN en 2007-2012, 2017-2022 dans ces petites communes, le non au référendum de Maastricht est vraiment fondamental. Et après, vous pouvez avoir un discours sur le Karcher, le racaille, l'islam, autant que vous voulez. Si vous êtes prononcé pour la ratification parlementaire du traité de 2005, vous êtes, pour beaucoup de ces électeurs, disqualifié. Et donc, ça relativise la question ethnocentrique, c'est-à-dire qui n'est pas sans importance, mais qui, visiblement, en l'occurrence, est quand même moins importante pour ces électeurs que la question du libéralisme économique. Et donc, ça, c'est important pour aussi voir toutes les contradictions à l'intérieur de ce bloc. Donc, c'est ça un peu le point principal. Je conclue en notant que tu nous dis que la classe géosociale ne prédit pas directement le vote de façon déterministe. Ce qui compte, c'est l'offre politique, la mobilisation politique. On est bien d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle beaucoup de l'offre politique. Et même, comme tu le disais au début, tu nous as dit « je ne veux pas parler des conseils que vous donnez à la gauche ». Mais alors, c'est étonnant, parce que tu conclus en nous disant « ce qui est important, c'est l'offre politique ». Donc, il faudrait savoir. Oui. Ah oui, mais on peut analyser tout en étant un peu citoyen aussi. Mais après, on n'avance pas masqué. Hein. C'est-à-dire, on dit qu'on a plutôt tendance à voter pour le bloc de gauche avec Julia, c'est vrai. Et je pense que c'est important que chacun avance, voilà, dise clairement quelles sont ses options comme citoyen. Mais nous, on est d'abord des militants de l'alternance démocratique. C'est-à-dire qu'on pense que l'absence d'alternance qui caractérise dans une certaine mesure la tripartition, en tout cas telle qu'elle se présente, en tout cas qui dramatise l'alternance en expliquant que, voilà, il y a deux extrêmes et la raison au milieu, est pour le coup problématique. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos réponses. Et maintenant, en fait, je voudrais passer la parole à la salle. Alors, vous avez deux micros dans les travées. Et nous sommes ravis de commencer par les questions des académiques juniors. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui travaillent un petit peu sur les questions qui vous préoccupent dans d'ancrage territoriaux, etc. Peut-être qu'il y a des questions de ce côté-là. Il ne faut pas se laisser intimider par la taille de l'amphithéâtre.
Et il faut qu'il y en ait un ou une qui se jette à l'eau afin que la discussion soit lancée. Tadam. Allons. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, un grand seigneur, allez-y. Allez au micro, s'il vous plaît. Oui, et présentez-vous, parce que même si beaucoup de gens vous connaissent, les plus jeunes ne vous connaissent pas forcément. Ben, c'est vrai. Alors, Académie Junior, je surprends un peu, je le comprends. Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF. Je voulais d'abord, évidemment, vous féliciter pour ce formidable travail, comme cela a été fait, dit et répété, ça le mérite. Je voudrais exprimer un souhait. J'ai commencé à regarder de plus près les fichiers électoraux. Et forcément, il y a des problèmes. C'est inévitable, dans un travail pareil, de villes importantes manquantes, de doublons parfois. Je voudrais exprimer le souhait que vous dédiez un site spécialisé à l'échange, parce que des générations d'étudiants, de doctorants, de chercheurs vont travailler sur vos données. Merci. Mais il faut un échange pour l'amélioration des fichiers, que les remarques soient mémorisées, et quand vous mettez à jour des fichiers en tenant compte des remarques, on sache quand le fichier a été mis à jour pour être sûr d'avoir le dernier fichier. Je crois que ce serait très bien. Je voudrais me permettre de faire deux questions sur des biais éventuels. L'usage du ratio de la moyenne nationale, vous l'utilisez beaucoup, et vous avez souligné justement que c'est très intéressant pour les petits votes. Mais il me semble que c'est un risque pour les grands votes, un risque sérieux. Parce que, si vous voulez, vous avez une situation où vous finissez par écrire à un moment dans le livre, page 532-533 pour être précis, que jamais le Parti socialiste n'a repris le vote ouvrier au Parti communiste, y compris en 1981, y compris en 1993. Et vous écrivez que la courbe en 1981 du Parti socialiste dans les communes ouvrières, c'est une courbe plate. Mais il se trouve qu'aux législatives de 1981, le Parti socialiste a fait 38% des voix au plan national et le Parti communiste 16%. Or, si la courbe du Parti socialiste est plate selon le taux d'ouvriers dans les communes, ça signifie qu'en moyenne, il fait à peu près 38% du vote ouvrier ou 40% du vote ouvrier, quel que soit le pourcentage d'ouvriers dans la commune. Et quand vous écrivez que le vote communiste domine parce qu'il monte dans vos courbes à un indice 130 par rapport à son score, comme le Parti communiste fait 16% en moyenne en 1981, le 130 signifie qu'il fait 20 ou 21% chez les ouvriers. Donc, vous omettez par le jeu du ratio de la moyenne nationale, vous finissez par ne plus voir les phénomènes de rapport de force entre forces politiques, et je vous dis, selon les sondages que nous connaissons ici beaucoup, que depuis 1981, le Parti socialiste a toujours dominé le Parti communiste parmi les ouvriers, comme de façon générale d'ailleurs. Deuxième et dernière chose, les graphiques. Les graphiques sont magnifiques dans le bouquin, ils ressortent très bien, et vous présentez les résultats par décile, en particulier pour la richesse de la commune. Mais d'abord, vous introduisez finalement le top 5% et le top 1% pour magnifier le résultat au bout, ce qui fait qu'on sort des déciles, ce qui pose problème, d'autant plus que vous ne le faites pas dans l'autre sens, pour les communes les plus pauvres. Sans doute, me direz-vous, que vous n'auriez pas le même effet de gonflement dans un sens ou dans un autre dans les communes les plus pauvres, mais là, je vous pose la question. Si, finalement, il n'y a qu'un vote des ultra-riches et pas un vote des ultra-pauvres dans les communes, est-ce que ça ne limite pas l'importance que vous attachez à la notion d'inégalité sociale? Merci pour cette question. Est-ce que, si on pouvait en grouper quelques-unes afin d'avoir une... Et il y a une question au moins sur YouTube. Donc, Eleonora va nous la lire. Et
Et une autre question dans la salle? Je vous vois. Oui, il y en a une. Ah, merci. Donc n'hésitez pas à faire la queue à côté des micros. Il n'y a pas. Oui, il y a. Bonjour Mathias Kliman, Sciences Po CEE. Merci beaucoup pour votre présentation, le livre qui est très apprécié. Je voulais que vous entendre sur ce dernier graphe et entendre votre spéculation, on pourrait dire, sur les raisons de cet accroissement des variables dures dans les dernières 20 années. Parce que je ne l'ai pas bien entendu. J'ai bien entendu votre... Vous avez bien posé le fait, mais vous n'avez, à mon avis, même pas vraiment essayé de l'expliquer. Je sais que c'est difficile, mais j'aimerais bien l'entendre. Merci. Merci. Donc, si vous voulez répondre à cette trois séries de questions. Oui, alors, je les prends dans l'ordre. Jérôme Jaffré, sur la question du niveau. Non, je suis tout à fait d'accord qu'il faut toujours avoir en tête le niveau des différents votes. Je crois qu'on ne cherche pas à le cacher. C'est-à-dire qu'on regarde le profil par rapport à un niveau moyen, mais il y a effectivement le niveau moyen du vote. Ceci dit, dans l'exemple que vous donnez du vote, vous êtes là, je vais chercher encore là-bas, dans l'exemple que vous donnez de 81, le fait que le vote PS reste tout aussi plat par rapport au pourcentage d'ouvriers montre qu'il n'a pas récupéré le vote PC de la même proportion dans les différentes professions et qu'il en a moins récupéré chez les ouvriers, parce que s'il avait récupéré 10 points de vote PC, mettons, qui de fait était très fortement croissant avec la proportion d'ouvriers, alors le vote PS total à la fin devrait quand même être un peu croissant avec le pourcentage d'ouvriers. Et le fait qu'il ne le soit toujours pas montre que le vote PC qu'il a récupéré est quand même moins ouvrier que le vote PC moyen. Donc ça dit quand même des choses. Le fait que le profil relatif, en l'occurrence du vote PS, reste tout aussi plat face à la proportion d'ouvriers, et en fait l'est depuis 1945-46. Il n'y a vraiment qu'aux élections de 36 où on a encore un vote SFIO qui monte avec la proportion d'ouvriers, mais c'est vrai qu'à partir de 45-46, la courbe est plate avec les différences de niveau que vous indiquez. Alors, sur le gonflement au top par rapport au bas de la distribution, c'est vrai que la raison pour laquelle vous l'avez dit, la raison pour laquelle on ne distingue pas les 1% des communes les plus pauvres, les 5% les plus pauvres au sein des 10% les plus pauvres, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence de comportement électoral. Alors, vous me direz, mais dans ce cas-là, pourquoi insister sur cette différence à l'intérieur des communes les plus riches? Parce qu'on pense que la question des élites en politique est importante. C'est-à-dire que les 1% les plus riches, ce n'est pas pareil que les 10% les plus riches. Mais depuis toujours, l'aristocratie en 1789, c'est 1% de la population, ce n'est pas 10% de la population. Alors on peut dire que ça n'a aucune importance, c'est seulement 1% de la population. Oui, d'accord, sauf que c'est quand même important pour structurer la société à l'époque et tout ce qui va suivre. Et aujourd'hui, distinguer ces communes les plus riches qui sont, mettons, à 10 000 euros de revenus moyen par habitant, ce qui veut quand même dire qu'il peut y avoir des pauvres, hein, mais il ne peut pas y en avoir beaucoup. Hein, quand vous êtes à 10 000 euros de revenus moyen par habitant, c'est quand même, on a une moyenne qui est vraiment très très élevée. C'est différent des 10% des communes les plus riches où vous allez entrer là-dedans à 2 ou 3 000 euros de revenus moyen ou 3 500 euros, je ne sais pas, de revenus moyen par habitant. Donc, c'est comme pour l'étude des inégalités, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur des 10% les plus riches des différences à la fois dans la forme des revenus du capital, des revenus du travail, et puis dans les capacités d'influence dans le jeu politique, de financement des partis politiques, le financement des campagnes, enfin, qui justifie, je pense, le zoom sur le haut de la distribution. Il y a la question sur les évolutions futures, ça c'est absolument pour Julia, et tout est pour Julia. Moi, je suis Nostradamus. Non, mais la réponse, c'est non. Comme ça, moi, j'ai la réponse courte. Qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas prédire. Enfin, on ne prétend pas prédire le futur. Il y a deux trucs qu'on va pouvoir faire qui sont intéressants. Il y a une chose, on a vraiment construit l'interface, le site et la manière dont on a la page, notamment la page conflit, vote populaire, vote bourgeois, de manière à intégrer immédiatement les résultats des prochaines élections. Il se trouve que maintenant, le ministère de l'Intérieur met en ligne dès le lendemain les données au niveau des communes. Donc, en fait, on aura dès le lendemain de chaque élection sur le site le résultat avec cette grille d'analyse vote populaire, vote bourgeois. Bon, il y a des multiples autres analyses qui sont faites tout après chaque élection, mais voilà, ça donnera une autre grille, ça permettra surtout de comparer sur le très long terme, ce qui n'est pas du tout de la prédiction.
prédiction, mais ce qui est une manière de prendre en compte le futur. Non, la seule chose qu'on essaie de faire, et encore une fois, on ne prédira rien, c'est qu'on essaie quand même de comprendre ce qui peut se passer à l'aune de ce qui s'est passé par le passé, d'où ce découpage en trois grandes périodes, et d'essayer de s'appuyer sur ce qui s'est passé pour sortir de la première tripartition, notamment, de comprendre les fragilités aussi de la première tripartition, les fragilités du bloc républicain modéré qui va vite être qualifié de républicain opportuniste, pour en tirer des leçons pour le futur, mais on ne va pas beaucoup plus loin que ça. Avec Jérôme, on avait une petite discussion déjà sur la question de mettre à jour les données. On pensait qu'on avait raison de... Pardon, que c'était suffisant d'avoir mis une boîte email, c'est histoireduconflitpolitique@gmail.com. On a pas mal déjà eu d'échanges qui nous permettent au fur et à mesure de réparer les petits bugs, mais en fait c'est pas faux qu'une des choses de mettre d'avoir une interface automatisée pour avoir les dates de mise à jour des fichiers, c'est beaucoup plus malin. En plus, il y a des choses qui font ça très bien maintenant, comme GitHub par exemple, qu'on peut plugger à l'intérieur du site. Donc, et en plus, ça fait partie des choses qu'on dit en général à nos étudiants de faire, donc quitte à l'enseigner aux étudiants, autant le faire nous-mêmes. Donc on va le rajouter au site en plus du mail. En fait, c'est quand même une très bonne idée, ça permettra justement de garder trace des mises à jour pour des gens qui auraient potentiellement téléchargé les données et qui voudraient télécharger uniquement les fichiers remis à jour. Juste, on a sur la classe géosociale et pourquoi c'est devenu plus important au cours du temps. Un élément d'explication, mais qui n'est sans doute pas le seul, c'est que sur la longue durée, on a par contre une très forte diminution du poids du département. C'est-à-dire, si on met le poids du département, en 1848, on va expliquer 20-30 points de variance supplémentaire. Donc, autant le département en tant que tel explique autant que toutes les autres variables. Alors qu'à la fin de la période, on va avoir le département, il continue d'y avoir des effets proprement géographiques départementaux, mais qui vont expliquer 5-10 points maximum de variance supplémentaire entre communes. Donc le territoire compte par la taille d'agglomération et de communes, mais compte un peu de la même façon partout. Alors pas tout à fait, évidemment, le département en tant que tel continue de compter. Mais il y a une forme dans le long terme, mais qui continue depuis les années 80, il y a une tendance à une forme de nationalisation du conflit politique. C'est-à-dire que, alors qu'on peut interpréter de plein de façons, mais notamment le fait que les médias soient plus nationaux, la télévision, etc., Internet, et moins des médias locaux, départementaux, où là on a des politisations qui se font plus à l'échelon départemental, plus local, en 1848 qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être l'élément principal qui, dans le long terme, permet d'expliquer cette montée et la diminution, par contre, du poids du département en tant que tel. Merci. Merci infiniment. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Oui. Pierre-Henri Bonneau, Cevipof. Bonjour Thomas, bonjour Julia. D'abord, merci pour votre enthousiasme. C'est agréable de voir de la recherche présentée comme ça avec de l'enthousiasme. J'aurais deux remarques et une question. La première, c'est pour Julia. Je ferai attention de dire que l'abstention explose parce que, en regardant d'autres élections, par exemple les européennes, ça baisse. Les deuxièmes tours aussi, c'est intéressant de regarder les deuxièmes tours, ils baissent aussi. Je suis d'accord avec Jérôme. Le fait qu'il y ait beaucoup de ratios dans ce que vous présentez, on sait, des fois c'est même des ratios de ratios, ça fait quatre quantités qui bougent en même temps. C'est un peu difficile. Ensuite, j'avais une question sur... on est sur les communes et on n'a pas la population. C'est-à-dire dans le sens où on ne sait pas si on est... par exemple, il peut y avoir 1000 communes qui représentent 1000 personnes. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu pondérer? En fait, quand on dit les 1% des communes les plus riches ou les 10%, en fait, c'est les 10% de la population habitant dans les communes les plus riches. En fait, tout est recalculé. Donc, en fait, on n'a pas en fait classé les 36 000 communes en coupant par commune par commune, mais en coupant par percentile de population. Il n'y a pas 360 communes par percentile, pour résumer, mais il peut y en avoir plus de 360 ou moins de 360, suivant la taille des communes en question. Donc, ouais. Tout est pondéré par les communes, ouais. Par la taille des communes. Par la taille des communes, OK. La population des communes. Et la dernière chose, vous parliez, c'est sociodémo, c'est pas racisme. Alors pourquoi ils n'ont pas choisi la gauche? Merci. Là, on a des réponses dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui sur le fait que la gauche, sur la longue durée, a toujours eu un problème avec les classes populaires rurales au 19e siècle qui a été résolu au cours du temps, mais on pense que ça fait partie des questions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'abandon
mais qui, selon nous, est plutôt socio-économique des communes rurales, mais qui devient... Ce qui ne veut pas dire que c'est facile d'en venir à bout, parce que les questions sur les moyens de transport, ce qui nous renvoie quand même aussi à Bruno Latour, c'est-à-dire c'est la question de la voiture individuelle, de l'accès au pavillon individuel, du mode de vie, du type d'emploi, plus d'industrie dans les villages et bourgs, tout ça, ça ramène à des oppositions avec le monde des banlieues et métropoles qui sont des oppositions lourdes, avec des sentiments d'abandon qui se sont construits sur plusieurs dizaines d'années et sur lesquels on ne va pas revenir comme ça juste en appuyant sur un bouton. Mais il nous semble néanmoins qu'il est possible de récupérer une partie de ce vote. Bon, les dernières élections se sont faites sur des tout petits écarts de vote. C'est-à-dire que Marine Le Pen aurait pu être éliminée au premier tour de la dernière présidentielle, ce qui aurait conduit à une reconfiguration du conflit politique au deuxième tour et pour les années suivantes, sans doute quand même assez significative. Donc ça fait partie, selon nous, des enjeux pour les prochains scrutins. Si on veut retourner vers une bipolarisation gauche-droite, sans doute la meilleure façon, c'est une élimination du RN au premier tour, et donc une fracturation du bloc rural populaire du premier tour dans le voter. Bon, mais là, on bascule vraiment dans la suite de l'analyse et de la stratégie politique dont Nona voulait nous éloigner, mais néanmoins, ça fait partie du livre aussi. Et sur l'abstention, t'as complètement... Alors, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais ça fait partie des... Ce qui est frappant, c'est l'effondrement de la participation législative et notamment le décrochage par rapport aux présidentielles, même si t'as raison de rappeler que sur les présidentielles au second tour, on commence à avoir un décrochage lors des deux dernières présidentielles, alors qu'avant, systématiquement, on avait plutôt une participation en hausse au second tour par rapport au premier, c'est en train de s'inverser. C'est pas vrai pour toutes les élections, mais on peut donner des exemples qui vont dans les deux sens. Ça a augmenté aux européennes, ça a baissé aux régionales, bon, ça varie pas mal. De toute façon, une des limites du livre que vous n'avez pas souligné, mais voilà, c'est une grosse limite, hein, c'est le fait de se concentrer sur les législatives et sur les présidentielles, plus sur les référendums importants, et de ne pas considérer les municipales, les régionales, les européennes. Mais on en discute un peu de cette question, parce qu'on essaie de réfléchir potentiellement à des... Donc c'est pas du tout le cœur du livre, mais c'est quand même quelque chose qui nous semble important, sur lequel on aimerait bien ouvrir le débat. Comment faire pour rapprocher la participation législative de la participation présidentielle, notamment en partant d'un chiffre. Là, on vous a montré le taux de participation. C'est le taux de participation par rapport aux inscrits. Il y a quand même un problème de non-inscription aussi en France, qui peut atteindre 7 à 8% de la population en âge d'aller voter. Donc en fait, on n'est pas vraiment à 50% si vous regardez par rapport à la population en âge d'aller voter. On est plutôt autour de 40-42% de participation aux dernières législatives, ce qui veut dire qu'en fait, depuis au moins deux élections, on est tombé à un taux de participation beaucoup plus bas que celui qu'on a aux États-Unis. Ce qui est vraiment frappant, parce que pour le coup, en général, les États-Unis s'est montré comme l'exemple de la démocratie dysfonctionnelle, et notamment de la démocratie dysfonctionnelle parce que les gens ne votent pas. Et du coup, une des pistes qu'on met dans le débat, ça serait de dire, faisons potentiellement comme aux États-Unis, c'est-à-dire ayons les législatives et les présidentielles le même jour. Alors ça serait peut-être en partie pour de mauvaises raisons, mais enfin, quand les gens seraient là pour voter pour les présidentielles, a priori, ils exprimeraient aussi un vote pour les législatives, ce qui permettrait de combler au moins en partie cet écart de participation. Mais il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire que nous, on va le lier beaucoup à la question de la tripartition, notamment le fait que ça ne soit pas une baisse qui soit uniforme, que ça soit une baisse qui se soit accompagnée d'une augmentation des inégalités de participation politique en fonction du revenu. Si elle était complètement uniforme, on pourrait aussi la lier au fait, voilà, inversion du calendrier électoral, ce qui fait que, en fait, les législatives ont perdu leur importance par rapport aux présidentielles. Ça pose aussi tout un nombre d'autres questions. Mais quand même, ça me fait revenir sur la question de Nona tout à l'heure. C'est pas faux qu'on aurait pu avoir toute la réflexion ensuite, c'est-à-dire moins séparer la participation électorale du reste. Donc on a vraiment une partie sur la participation qu'on va traiter de manière très systématique, et ensuite on va se tourner vers les élections, et d'avoir réfléchi en pourcentage des inscrits plutôt qu'en pourcentage des exprimés. Et ça fait partie, je pense, des résultats qu'on voudra sortir pour le futur, c'est-à-dire ajouter à chacun de ces graphes en fait l'abstention et le considérer comme une variable de vote, et pas simplement d'abord traiter de la participation et ensuite du vote pour les différents blocs. Nona, je sais que tu voulais poser une petite question, toute petite, et ça sera notre dernière. C'est un livre sur l'histoire du conflit politique. Et quid des autres formes de conflit politique que le conflit électoral ? Vous auriez pu au moins mettre quelques indicateurs, des émeutes, des grèves, des manifs. On commence à avoir pas mal de données là-dessus. Parce que le conflit politique ne se résume pas aux élections. Alors là... Le titre... Ah, oui, non. J'allais dire, si on commence
À répondre à cette question, on en a pour encore 3 heures. Hein, donc non, juste pour dire que le titre est un peu gonflé, mais on m'avait déjà fait la remarque sur le capital au XXIe siècle, tout ça. Donc ma meilleure réponse, c'est ça, le titre marche quand même, enfin, dans le sens où... C'est, non, ça marche. Non, mais ça marche dans le sens où ça met quand même l'accent sur le fait que l'élection, même si on se réduit effectivement en vérité au conflit électoral, il y a des très bons livres sur l'histoire des manifestations en France, Tartakovsky, d'autres livres, tout ça. On n'allait pas refaire ça. Ça a déjà été fait. On n'a pas d'apport là-dessus. Donc nous, c'est vraiment centré sur le conflit électoral. Mais on insiste sur le fait que voilà, les élections, c'est du conflit et du conflit de classe avec des électorats qui ne sont pas les mêmes et d'où l'histoire du conflit politique. Merci infiniment. Vraiment, je voudrais vous remercier tous les trois et tous les deux pour d'être venus présenter ce bouquin absolument passionnant. Je voudrais aussi souligner à quel point le site est important parce que au-delà du livre, pendant des générations et des générations, vous allez laisser une trace et beaucoup des jeunes qui sont aujourd'hui parmi nous et des moins jeunes qui sont aujourd'hui parmi nous vont travailler avec les données que vous avez apportées. Donc merci pour tout ça. Je voulais aussi remercier le CEVIPOF avec qui nous avons co-organisé cet événement. Je voudrais m'excuser parce que le séminaire a été un petit peu plus long que d'habitude, mais vous annoncez que notre prochain séminaire général au Centre d'études européennes et de politique comparée aura lieu le 24 octobre, que nous recevrons Edouard Morena de University of London Institute qui nous parlera de la fin du monde et des petits fours des ultra-riches face à la crise climatique. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente après-midi.